sur le Taanit, sur toute la période qui vient à partir de Shvaa Asar Betamouz jusqu'à après Tisha B'Av. Donc c'est Ilkhot Taanit, Halakha Aleph, dans le Kut Halakhot, c'est page 382. 382. La page 382 dans le Likut HaLachot, le Chelek Gimel, c'est-à-dire le troisième volume du Likut HaLachot. Alors, Likut Tisha B'Av, Osha Taaniyot. Donc là, c'est les Halachot de Tisha B'Av et des autres Taaniyot, le Likut HaLachot. Halakha Alef, Inyan Arba Taanitim, Kedela Alot Malchut Dikdusha. Pourquoi on fait quatre jeûnes? C'est-à-dire les quatre jeûnes principaux qui sont Asara Betevet et Shvaa Asar Betamouz, Tisha B'Av et Tzur Gedalia. Ces Taanitim-là, on les fait pour faire remonter la malchoute, c'est-à-dire pour faire monter la malchoute d'Hachem, le pouvoir d'Hachem, Shuprinat Dalet. Que la malchoute, c'est Dalet. Malchoute, c'est Dalet. Ça veut dire 4 Dalet. C'est 4 Dalet aussi, ça veut dire parce qu'elle est pauvre. Dalet, c'est la lettre Dalet, ça vient de Dal, c'est-à-dire que c'est une lettre qui est pauvre. Et le pouvoir, c'est quelque chose de très pauvre, puisque le pouvoir, il dépend de ceux qui vont lui donner le pouvoir. Donc maintenant, on dit que le pouvoir d'Hachem dans le monde, David, le pouvoir d'Hachem dans le monde, il est pauvre. Ça veut dire que maintenant, Hachem, je ne sais pas qu'Hachem il a besoin, Hachem il a besoin de rien, mais pour le bon fonctionnement du système, comme Hachem il l'a prévu, alors il faut que, pour le bien de l'humanité, il faut que l'humanité elle reconnaisse Hachem. Et ça, c'est une dépendance que Hachem il a par rapport au monde, c'est-à-dire que dans le système qu'il a placé, c'est que il n'y a pas de possibilité pour le monde de recevoir le bien d'Hachem sans reconnaître Hachem. Et ça, Hachem, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas obliger les gens à le reconnaître. C'est-à-dire que sinon, ce n'est pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est de laisser les gens le chercher et de reconnaître chacun de son bon vouloir. À ce moment-là, le pouvoir, il est en place. Donc le principe des jeûnes, ça va être par rapport aux quatre lettres aussi du Shem Havaya, du Shem HaKadosh Baruch Hu, qui sont aussi les quatre points cardinaux, qui sont aussi les quatre groupes des trois Shvatim. On a vu que les Shvatim, les tribus, elles étaient 12, mais elles étaient entre quatre drapeaux de trois. C'est comme ça qu'elles étaient assemblées. Il y a aussi quatre saisons. On avait vu plusieurs principes qui sont de quatre parce que c'est le principe de la malchoute, c'est-à-dire du pouvoir. Autant le pouvoir, il s'étend partout, mais le pouvoir, il faut qu'il soit reconnu pour que les bienfaits du pouvoir puissent se ressentir. C'est-à-dire si quelqu'un il reconnaît pas le pouvoir, alors le pouvoir, il ne pourra pas lui donner ce qu'il doit lui donner non plus. Alors Rabbi Nathan dit qu'il y a l'idée à Khurban de la Galout Nafla Malchut de Gdusha, Benimsar Malchut à Akou. Parce que, à cause de la destruction du temple et de la Galout, de l'exil, le pouvoir de la Gdusha, il est tombé et il a été donné aux idolâtres. C'est les idolâtres qui ont pris le pouvoir. Valken mitanim. C'est pour ça qu'on jeûne. Kaledatanit mitale emuna. Parce que grâce au jeûne, alors la emuna, elle va remonter. Vedize ola malchut. Et ça va faire monter la malchut. Shiprinat emuna. Que la malchut, c'est le principe de la emuna, de la confiance dans Hachem. Parce que le ikar de la galoute, ça vient d'un manque de emuna. Comme ils ont dit les chachamim, l'ochar va Yerushalayim,
et là, Al-Shepaskouba, Anche Amana. La ville de Jérusalem n'a été détruite que parce que les gens qui avaient la Emouna, ils ont disparu de Jérusalem. Il n'y avait plus de gens qui avaient la Emouna. Mahmadze Galou, Benimsar Amalhout, Cheprinat Emouna, la Hakoum. Et à cause de ça, il y a eu la galoute, c'est-à-dire l'exil, et le pouvoir a été donné, c'est-à-dire le principe de la Emouna, il a été donné aux idolâtres. C'est pour ça qu'on fait 4 jeûnes, il y a 4 jours de jeûne principaux dans l'année, pour faire remonter la Emouna, Cheprinat Malhout, Cheprinat Dalet, qui est le principe de la Malhout, le principe de Dalet. Donc c'est-à-dire on voit que le principal, c'est-à-dire le principal du problème qu'il y a eu quand on a perdu le pouvoir, c'est-à-dire on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu la Emouna dans Hachem, et donc le Beth Amikdash il a été détruit. Maintenant cette Emouna, c'est-à-dire ce potentiel qu'il y a dans chacun de faire confiance, de donner le pouvoir, de se faire diriger. Alors ça s'est orienté vers les idolâtres. Parce que qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le principe d'adorer les forces naturelles, les forces de ce monde. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de croire dans qu'il y a une possibilité à la matière de faire quoi que ce soit en elle-même. C'est ça le principe de l'idolâtrie. Quelqu'un il va adorer une statue parce qu'il croit que cette statue-là, elle a des pouvoirs. Alors ça, c'est une statue béhémète, elle n'a aucun pouvoir du tout. Mais s'il y a 100 000 personnes qui mettent leur confiance dans une statue, ils peuvent mettre même dans la confiance dans un âne aussi, il va avoir du pouvoir. Parce que le pouvoir, il vient des gens qui reconnaissent le pouvoir. C'est ça qui donne le pouvoir. Comment, voilà, quelqu'un il est élu, il a le pouvoir. Pourquoi maintenant celui-là il est passé, il avait 51% de voix et l'autre il avait 49% par exemple. Maintenant celui-là il est passé, l'autre il rentre chez lui à la maison et il continue à manger des omelettes et à lire le journal le matin, c'est tout. Maintenant, quelle différence il y a entre les deux? Il n'y a aucune différence. C'est que celui-là, on lui a donné le pouvoir et l'autre, on ne lui a pas donné. Mais les deux, ils sont pareils. C'est-à-dire, les deux se sont présentés et un n'est pas mieux que l'autre. Il n'est pas exceptionnel. Hein? Il n'y a rien de spécial. Seulement, le peuple lui a donné sa confiance. Par le fait qu'il lui a donné sa confiance, alors il a donné une force à cet homme-là. Et cet homme-là, c'est un homme simple, un homme normal. Maintenant, il est devenu président de la République, il est devenu ça. Maintenant, c'est venu de quoi? C'est venu de la confiance des gens. C'est-à-dire le fait que maintenant, on accrédite un individu, c'est-à-dire on lui fait confiance. Le fait qu'il y a tant de monde qui lui font confiance, c'est ça qui lui donne le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Maintenant, ce même-là, individu, dès qu'on va lui enlever le pouvoir, il va rentrer dans les coulisses comme il était avant. C'est-à-dire que c'est pas lui le pouvoir. Lui, c'est pas le pouvoir. On aurait pu mettre un chiffon, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a eu confiance en lui qu'on lui a donné les rênes de l'État, du pouvoir. Alors, il a un pouvoir. C'est-à-dire que la reconnaissance du pouvoir, elle se fait par le peuple. C'est le peuple qui reconnaît le pouvoir. Donc c'est le peuple qui donne la force à l'individu. Maintenant, la Avodah Zarah, c'est pareil. Il y a des gens qui vous diront, ils ont été dans des endroits où il y a des idoles, etc. Et ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses. Pourquoi? Parce que comme les gens, ils font confiance à cette idole-là, alors ça donne une force à l'idole de lui répondre. Mais ce n'est pas parce que l'idole elle-même, elle a une force. Elle n'a que la force de l'appui que les gens ils ont donné. Maintenant, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il donne tout dans le monde. Mais Emet, alors que cette idole-là, elle ne donne rien du tout. Cette idole, elle ne peut rien faire. Maintenant, Hachem,
Hachem, lui, il donne tout. C'est-à-dire depuis un pou jusqu'au soleil, c'est Hachem qui nourrit tout, c'est Hachem qui fait tout fonctionner. Mais Hachem, il fait tout fonctionner de façon très discrète, de façon très humble et très discrète. C'est-à-dire que maintenant, tant que l'homme ne reconnaîtra pas Hachem, il ne pourra pas recevoir ce qu'il doit recevoir d'Hachem. Parce que Hachem, il ne pourra pas lui donner tout ce qu'il voudrait donner à l'homme s'il n'est pas reconnu par l'homme. C'est-à-dire que maintenant, je répète, Hachem, il a besoin de rien. Hachem, il n'a pas besoin du pouvoir. Mais l'homme, il a besoin de reconnaître le pouvoir d'Hachem pour pouvoir recevoir ce que Hachem, il veut donner à l'homme. C'est-à-dire ce que Hachem, il a prévu dans le plan de l'humanité. Alors, il faut que l'homme, il ait confiance dans Hachem. Maintenant, si l'homme, il n'a pas confiance dans Hachem, Hachem, il va terminer quand même l'histoire du monde et il va faire en sorte que les gens, à la fin, ils auront confiance en lui. Il va s'arranger grâce au tzadikim, grâce à des chemins détournés. Par ces chemins-là, il va se faire reconnaître, de toute façon. De toute façon, il se fera reconnaître à la fin. Mais ce n'est pas la même chose si les gens, ils ont reconnu Hachem de leur plein gré, comme s'ils ont été un petit peu poussés à reconnaître Hakadosh Baruch Hu par certaines situations, qu'elles soient valables ou qu'elles soient agréables ou non. Mais on voit quand il y a des problèmes, des choses, alors il y a un éveil, les gens ils s'éveillent vers Hachem, les gens ils commencent à chercher un petit peu plus haut. Dès que les gens ils sortent de la galoute, ils essayent de chercher un petit peu plus haut, parce que la situation elle presse un petit peu ou elle oppresse un petit peu. Donc quand la personne elle est oppressée, alors elle a tendance à aller chercher plus haut. C'est-à-dire qu'elle ne cherche plus les moyens qu'elle utilisait avant. Alors, quand tout va bien, alors les gens ils s'oublient un petit peu dans la consommation, etc. Et le fait que maintenant les gens ils sont dans la consommation tous les jours, ça fait qu'à la fin, ils commencent à faire confiance aux intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire confiance à la médecine, à son patron, aux allocations, à l'autre. Ils commencent à avoir confiance dans les intermédiaires. Maintenant, quand Hachem, il se révèle plus, alors les gens commencent à griller un petit peu les intermédiaires. C'est-à-dire les gens ils commencent à laisser tomber les intermédiaires parce qu'ils voient que les massés, les intermédiaires, ce n'est pas eux qui ont la force de leur donner quoi que ce soit. Les intermédiaires, c'est que des distributeurs. Quand Rabbi nous raconte, il amène dans l'écouté moral, il dit qu'il y avait un machal d'un ben Adam qui était un ministre et qui a été envoyé dans un pays pour faire une... Il a été en délégation du roi. Il a été envoyé dans un pays pour faire certaines choses pour le roi. Maintenant, quand il est arrivé dans ce pays-là, les gens... ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était un roi. Donc ils ont vu le ministre et ils lui ont donné l'honneur qui était normalement l'honneur pour un roi. Donc ils lui ont dit majesté, etc. Monsieur le grand rabbin, monsieur le roi, monsieur le truc. Ils lui ont donné. Maintenant, ils ne savaient pas ce que c'est. Comme vous voyez des gens simples, ils voient un monsieur avec un chapeau, une barbe, il appelle monsieur le rabbin. Alors que monsieur, il a mis un chapeau, il a essayé de pousser sa barbe, c'est tout, c'est pas un rabbin. Mais pour eux, c'est comme ça. Alors ces gens-là, ils ont vu un ministre, un monsieur qui arrive avec un avion privé, comme ça, etc. Ils ont dit majesté, majesté, etc. Ah, ok. Maintenant, ils travaillent, ils développent des choses dans le pays, etc. Et quelques temps après, le roi, son patron, il arrive. Alors, lui, quand il arrive, bon, eux, ils ne pensent pas que c'est le roi, puisque pour eux, le roi, il était déjà là. Donc, il le reçoit, il dit, comme si c'est quelqu'un qui est subordonné au ministre qu'eux, ils ont nommé comme roi. Alors, ils les reçoivent, ils s'assoient à côté l'un de l'autre dans un banquet. Alors, le roi, il dit, tu sais, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous deux, nous, on sait très bien qui c'est le roi. Toi, tu sais qui tu es, moi, je sais qui je suis. Alors maintenant, dans ce rôle-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant,
Les gens, ils pensent que ce Olam-là, il leur donne quelque chose. C'est-à-dire, eux, ils pensent que le médecin, il leur donne quelque chose, que le patron, il leur donne quelque chose, que ce monde, il va leur donner quelque chose. Alors, ils le nomment comme roi, c'est-à-dire, ils font de l'idolâtrie. Ils le nomment comme roi, ils se prosternent aux ministres, ils se prosternent aux intermédiaires. Ils se prosternent au dieu de la guerre, au dieu de l'argent, au dieu de ça, au dieu ils ont beaucoup de dieux, ils se prosternent à eux parce qu'ils pensent que ces gens-là, ces forces-là, elles peuvent faire quelque chose pour eux. Mais les Maasés, ces forces-là, elles peuvent rien faire du tout d'elles-mêmes. Mais comme eux, ils ont mis leur corps de Emouna dans ces choses-là, et que la force de la Emouna, c'est quelque chose de divin, c'est-à-dire de pouvoir faire confiance, c'est quelque chose de divin, ça donne la force à la Avodah Zarah de faire des choses. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il adore une idole et pendant des années, alors cette idole-là, elle va commencer à devenir, à avoir des pouvoirs. Mais ce n'est pas des pouvoirs à elle, c'est le pouvoir de la smicha. C'est-à-dire que c'est le pouvoir du fait que les gens, ils ont reconnu ça comme étant une force quelconque et qu'ils lui ont attribué la force de la Emouna. Alors cette force de Emouna, elle a fait que maintenant cette chose-là, elle représente quelque chose dans le monde. Alors que normalement, elle ne représente rien du tout. C'est-à-dire que c'est un corps qui est vide. Parce que le principe de la malchoute, c'est un principe de dalet, c'est-à-dire c'est un principe qui est dal. C'est-à-dire tout ce qui, quand on parle de malchoute, on parle de quelque chose qui est vide en soi et qui a besoin d'être reconnu par ses sujets. C'est-à-dire le roi, il a besoin d'être reconnu par ses sujets. Maintenant, un roi, il peut être roi, c'est-à-dire il peut être roi comme par exemple le roi Charlemagne, c'était un juif. Le roi Charlemagne, c'était un juif. Maintenant, si le roi Charlemagne, d'un jour au lendemain, on décide que ça devient un vulgaire prisonnier ou un truc, voilà, comme maintenant le président de la République, on le fait arrêter, on le fait être interrogé, etc. C'est-à-dire, on peut prendre quelqu'un, on peut complètement déchoir, le faire tomber de ça. Mais il y a une différence entre celui qui est un vrai roi et qui n'a pas été reconnu, et celui qui n'est pas un roi et qui a été reconnu en tant que tel par les besoins du moment. C'est-à-dire que maintenant, quand le Beth Amikdash a été détruit, qu'on a été chassé d'Eretz Israël, alors la malchoute, elle s'est déphasée, elle s'est décalée complètement. Parce qu'avant, il y avait un roi, il était dans sa maison, et les choses, elles étaient en ordre. C'est-à-dire qu'il y avait la malchoute d'Hachem dans sa maison. Et à ce moment-là, le pouvoir, il était à sa place. Il était reconnu en tant que tel. Et la malchoute d'Hachem, elle était vraiment évidente dans le monde. Maintenant, il y a eu la destruction du temple parce que les gens, ils n'avaient plus la Emouna. C'est ça qui a fait la destruction du temple. À quoi ça sert qu'il y ait un temple avec la présence d'Hachem si les gens, ils n'y croient pas? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est Hachem, il n'a plus rien à faire ici si les gens, ils n'y croient pas. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans une maison. Alors il repasse dans l'anonymat, si vous voulez, dans l'incognito. Hachem, il se remet dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'il va réutiliser des intermédiaires pour fonctionner avec le monde. Alors que si les gens plaçaient leur Emouna dans Hachem, il n'y aurait pas besoin de ces intermédiaires-là. Parce que ces intermédiaires, ils n'existent pas à BMF. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués de toutes pièces par le public, comme les médias. Vous voyez, les médias, vous fabriquent quelqu'un. Il y a une histoire, quelqu'un avait écrit un livre sur ça, un monsieur Pachout, que les médias allaient le rendre un monsieur, une idole comme ça. Mais c'est un monsieur Pachout, il travaille dans une usine et tout. Et il y a eu une espèce de coïncidences, des trucs qui se sont faits. Et d'un coup, il y a son nom partout, on en parle, ouais, monsieur Anten, monsieur Anten. Et lui, il commence à souffrir terriblement. Et Mamash,
il devient fou, il va faire ses courses, les gens lui demandent des autographes, il va là, le gars il est perdu, parce que lui, il dit, mais... Alors il dit, vous pouvez me faire un truc? Il dit, si vous voulez, mais moi je suis rien du tout, je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. Et ça le travaille. À la fin, il devient un peu fou de cette chose-là, parce que lui, c'est un homme simple. Maintenant, il perd son travail, parce que dans son travail, il ne peut plus travailler. Les gens, c'est une vedette nationale, etc. Il ne peut plus travailler. Alors, on voit qu'à la fin, il perd sa tête. Mais il est fabriqué de toutes pièces. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont des artistes, des très grands artistes, mais ils n'ont jamais été reconnus par les médias, par les systèmes, par les systèmes des impresarios, etc. Donc ils sont restés des gens comme ça, dans l'anonymat. Mais c'est des vrais artistes, c'est des gens qui ont vraiment des qualités, des gens très forts. Mais le fait que pour une raison ou pour une autre, les médias, tout ce milieu-là, ils n'ont pas choisi cette personne-là, elle reste dans l'anonymat total. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire l'individu? C'est pas ce qu'il est, c'est comment il est reconnu, en tant que quoi il est reconnu. Ce qu'on dit, Tov Shem Mishemen Tov, c'est-à-dire que c'est mieux un nom que de la bonne huile. Qu'est-ce que ça veut dire, l'huile? L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la chokhma. L'huile, c'est la chokhma, c'est ce que l'homme il a de vrai en lui. Alors, le shem de l'homme, il est plus que le shemem. C'est-à-dire que le nom qu'il est arrivé à se faire dans ce monde, il est plus grand que ce qu'il est Béhémet. C'est-à-dire que quand maintenant le rabbim, il est maskim sur quelqu'un, alors cet individu-là, il devient plus grand que ce qu'il est lui, Béhémet. Parce que la reconnaissance de la vérité par le monde, c'est ça qui fait que la vérité, elle est vraie. Et une vérité qui n'est pas reconnue, pour l'instant, elle n'est pas vraie. Tant qu'elle n'est pas reconnue, elle n'est pas vraie. Même si elle est vraie dans la plimiout, c'est-à-dire dans la chose à l'intérieur, de façon intrinsèque, pas profonde, mais tant que cette vérité, elle n'a pas été acceptée par l'extérieur, par les gens qui sont masmir, c'est-à-dire qui donnent la smicha, qui donnent l'appui, cette vérité, pour l'instant, elle n'a pas sa force. Et c'est toute la guerre dans le monde, elle est que dans ce domaine-là. C'est-à-dire maintenant, qui est-ce qui va être reconnu en tant que tel? Qui est-ce qui va être reconnu en tant que tel? Comme je vous ai dit cette semaine, il y avait dans un pays, dans Sipurim Maasiot, Rabbi nous rapporte ça, il y avait un roi qui s'était perdu. On avait perdu le roi, il avait disparu. Maintenant, il y avait un jardinier qui était fou. Un jardinier qui était fou et il était toute la journée, il jardinait et il faisait le fou, etc. Et les gens du pays cherchaient le roi. Et un jour, ils se sont dit, mais peut-être ce jardinier-là qui est fou, peut-être c'est lui le roi. Maintenant, on est en train de chercher partout. Mais ce jardinier fou, peut-être c'est lui le roi. Alors ils lui ont dit, viens, etc. Et ils ont vu que Béhémet, c'était lui le roi. C'était lui le roi. Mais pourquoi il se faisait passer par un fou, pour un fou? Parce que sinon, il aurait tué les gens. Il aurait tué, parce que maintenant, eux, ils avaient perdu le nord, comme on dit. Ils ont perdu les repères complètement. Donc cet homme-là, il était, pour eux, c'était un homme dangereux à la limite, si jamais il commençait à se révéler. Et c'est comme ça que toute l'histoire du monde, elle a toujours été comme ça. Tous les grands tzadikim, tous les tzadikim sodé olam, on les a persécutés, on leur a voulu du mal. Le homme Israël, il a été persécuté, regardez comment il est persécuté encore, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, comme il disait l'autre, c'est la conscience du monde. Ils ne peuvent pas supporter les gens, cette chose-là. Ils ne peuvent pas supporter, parce qu'ils croient que c'est la conscience du monde uniquement. Mais quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas que la conscience du monde, c'est le monde mamash, pas que la conscience du monde, c'est le monde mamash. C'est que si la personne elle est chez elle et elle mange une carotte, c'est parce qu'il y a un juif qui prie quelque part.
même si lui il est au bistrot en train de boire un petit pastis, c'est parce qu'il y a un juif quelque part qui a mis les tefilines ce matin. Parce que sinon Hachem il aurait brûlé le monde entier. Et Hachem il n'a pas créé le monde pour que les gens ils aillent au bistrot boire du pastis. C'est pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Mais comme il y a quelqu'un dans le monde qui fait la volonté d'Hachem et qui le reconnaît, alors tout ça, tout le reste, tous les accompagnateurs, tous les autres, ils passent avec. Hachem supporte tout le reste. Alors ce principe-là, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des vérités qui sont des vérités en elles-mêmes, intrinsèques, et il y a des vérités qui sont des vérités reconnues. Le jour où Mashiach va venir, on va l'appeler Hachem. Pour l'instant, on ne l'appelle pas Hachem. Pour l'instant, Hachem, on l'appelle Adnout, c'est-à-dire le maître. On l'appelle maître, mais on ne l'appelle pas Dieu. On ne l'appelle pas Yudke Vavke. On l'appelle Adnout, que Hachem, c'est le maître du monde. Mais on ne l'appelle pas Yudke Vavke. Pourquoi ? Parce que le Dalet de la Malchoute, il n'est pas à sa place. Donc on ne peut pas donner les quatre noms d'Hachem, les quatre lettres du nom d'Hachem. Donc on ne va appeler qu'un maître. Maintenant, quelqu'un dans sa vie, c'est pour ça que c'est quelqu'un, il s'est pas marié dans sa vie, il ne peut pas avoir de place dans ce monde. Parce que même si quelqu'un c'est un génie, même si quelqu'un il est très grand, mais si cette grandeur, elle n'a pas été reconnue, elle n'a pas de valeur dans ce monde. Pourquoi elle n'a pas de valeur ? Ça veut dire qu'elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue dans le monde. Il n'y a pas eu le pouvoir, il n'a pas été donné, il n'a pas été reconnu. Il n'y a pas quelqu'un d'en bas qui a reconnu que cet individu-là, il a une valeur. La femme qui représente le pouvoir et la femme qui est dalet, c'est-à-dire qui est pauvre en elle-même, que Hachem l'a faite pauvre, qu'elle est dépendante de son mari et elle, le mari lui il donne les kiddushin, il lui donne les mekadeshota avec l'argent, il lui donne de l'argent au moment du mariage, etc. Parce que elle est, même si elle a un compte en banque plus important que son mari, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est que c'est lui, c'est à travers lui qu'elle va se sentir exister. Pourtant toute son existence à lui, c'est elle qui va lui donner. C'est-à-dire toute sa valeur dans ce monde, c'est elle qui va lui donner. Un homme que sa femme, elle ne le reconnaît pas, c'est un chiffon. Il ne peut pas grandir dans sa vie. Même s'il se débat comme il veut, il ne pourra pas grandir. Parce que s'il n'est pas arrivé à convaincre sa femme, qui va convaincre dans le monde ? S'il n'est pas arrivé à se faire accepter par sa femme, par qui va se faire accepter ? Par sa viande à lui. Et il ne s'est pas fait accepter. Son corps, il ne l'a pas accepté. Qui est-ce qui va l'accepter ? Le voisin, il va l'accepter. Le voisin du voisin, il va l'accepter. L'épicier du coin, il va l'accepter. Qui est-ce qui va l'accepter ? Personne ne va l'accepter. Si sa femme, elle ne l'a pas accepté, il n'y a personne qui va l'accepter. Et si sa femme, elle n'accepte pas, il ne peut pas s'asseoir sur son trône. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est une question de reconnaissance. Ce n'est pas une question de vérité. Donc maintenant, toi, tu dois t'arranger à quoi faire ? Tu dois rendre assez mûr la nation pour que la nation reconnaisse le roi. Et pour que le roi puisse rentrer sur la scène, qu'il puisse diriger le monde. Le roi, il ne peut pas diriger le monde si on ne le reconnaît pas. Et lui, il a le pouvoir de diriger vraiment le monde. Mais il ne peut pas les diriger s'il ne le reconnaît pas. C'est impossible. Donc maintenant, lui doit s'arranger, le roi, par tous les moyens, de se faire reconnaître par le monde. C'est-à-dire que quand il a quelques-uns qui le reconnaissent, quand il a des sadikim qui reconnaissent Hachem, alors Hachem, il dit, ça va, c'est pas perdu, l'affaire n'est pas perdue. Il y a des sadikim, il y a Avraham Avinu. Bon, Hachem, Be'ibar'am, Be'Avraham, c'est-à-dire Hachem, il a dit, tant qu'il n'y a pas Avraham Avinu, je ne sais pas si on continue la pièce de théâtre. C'est, pour l'instant, c'est une pièce de théâtre. Maintenant, quand Avraham Avinu est venu, c'est devenu quelque chose de vrai. Avant, ce n'était pas vrai. Pourquoi ce n'était pas vrai ? Parce qu'il n'y a personne qui a reconnu Hachem. Donc, c'était une pièce de théâtre. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Bien que chacun, quand il mangeait, quand il respirait, quand tout, c'est Hachem qui lui donnait, mais il n'a pas reconnu. Donc, il n'y a rien, il ne s'est rien passé pour l'instant. Quand Avraham Avinu est venu, et Taler Lefana, il veillait Tamim, il a marché devant Kadosh Baruch Hu. Il a donné le pouvoir à Kadosh Baruch Hu. Il a appelé Hachem du nom d'Hachem. Ça y est,
le pouvoir d'Hachem, il a commencé à s'installer dans le monde. Et après, il y a eu d'autres tzadikim, et d'autres tzadikim, et d'autres tzadikim. Et chaque tzadik qui est venu, il est venu pour compléter la malchut. C'est ça le principe des tzadikim. C'est qu'il complète la malchut. Maintenant, au milieu, il y a toujours des gens qui viennent et qui se glissent au milieu et qui prennent le pouvoir. Parce que la force de discernement, elle n'est pas tout le temps claire dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui voit la vérité. Dans toute l'humanité, qu'est-ce qui détient la vérité? C'est une poignée de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui voient la vérité. Pourtant, c'est la chose la plus évidente qui est dans le monde. Mais le comportement de l'homme, il fait qu'il ne se rend pas compte de la vérité. Pourquoi? Parce que sa émouna, il la met dans d'autres choses. Du moment où la émouna, elle n'est pas à sa place, alors il peut pas donner la force divine. Les énergies divines, elles ne peuvent pas se manifester à lui. Il ne peut pas se rendre compte que, par exemple, il y a une Ashgaha Pratit. Il ne peut pas se rendre compte qu'une chose, s'il en a besoin, elle peut venir vers lui. Il n'a pas besoin d'aller la chercher. Mais s'il croit que s'il ne va pas la chercher, elle ne va pas venir, alors jamais elle va venir. Mais pourtant, elle a la force de venir. Elle peut venir, elle peut le prendre à lui, à la chose, et l'amener quelque part, et faire des choses extraordinaires. Mais lui, il n'y croit pas, donc il n'y a rien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Dans les individus, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont mariés, et ils n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Ils ne savent pas qui c'est l'autre. Ils n'accréditent pas l'autre. Alors l'autre, il reste petit, c'est tout. Il n'a pas grandi. Au fond de lui, il est très grand, mais il ne peut pas grandir. Il n'y a personne qui lui fait confiance. Il n'y a personne qui lui a donné une smicha, c'est-à-dire qui l'a appuyé. Comme on dit qu'en France, quand quelqu'un vient pour dire que c'est un chercheur, qu'il a trouvé quelque chose et tout, en France, on lui dit « faites vos preuves ». Et d'abord, revenez nous voir. En Amérique, on dit « celui qui dit il a quelque chose », on lui dit « allez, viens, voilà un laboratoire, un truc et tout, commence à travailler ». Pourquoi? Parce qu'en Amérique, on sait que quand on a fait des calculs, on a vu que sur 30 bonhommes qui sont présentés, il y avait 29 charlatans, mais il y avait un bonhomme qui était vrai. Maintenant, comme on ne peut pas les reconnaître tant qu'on n'aura pas fait confiance, donc on est obligé de faire confiance à 30 pour tirer un vrai. Mais en France, on dit non, puisque maintenant il y a des charlatans, donc on ne fait pas confiance. Mais au milieu de ces charlatans, il y a un bonhomme qui va passer, que lui-même, c'est un vrai, mais il n'a pas les moyens. Donc si tu ne lui donnes pas les moyens, il ne va pas sortir le génie qu'il a en lui. Il va rester comme ça. C'est un génie, mais tu vas le voir, il va vendre des journaux sur les quais ou n'importe quoi. Mais c'est un génie, c'est un bonhomme, il aurait pu faire des choses extraordinaires dans le monde. Et c'est pour ça que le monde, il est dans l'état où il est. Parce que les gens, ils ne reconnaissent que les gens que ça les intéresse à eux. Que les gens qui vont les maintenir dans leur médiocrité. C'est ces gens-là qui reconnaissent. Mais les gens qui vont les chambouler, qui vont leur mettre la tête à l'envers, ces gens-là, ils ne veulent pas les reconnaître. C'est pour ça qu'il y a eu de la machloket contre l'âme Israël, contre les tzadikim, contre tzadiki Osodolam, contre Rabbi Nachman. Pourquoi il y a eu de la machloket et tout? Parce que les gens, ils disent, oh là là, celui-là, il va arriver, il va faire du grabuge. Alors, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils ont dit, c'est quoi ça? Nous, on veut un rébé du Olam Hazé. Une fois, quelqu'un, il a demandé à Rabbeinu une bracha, il a dit, vous pouvez me donner une bracha pour la parnassa et tout. Rabbeinu lui a dit, tu n'as pas honte de me demander une bracha pour la parnassa? Moi, toute la journée, je suis en train d'essayer de vous donner un cœur de chair, vous avez un cœur de pierre. Moi, toute la journée, je cherche comment vous soigner, vous guérir votre cœur. Et toi, tu viens m'embêter avec des bêtises comme ça, de la parnassa? Tu n'as pas honte? Ça ne te dérange pas de demander des choses comme ça? C'est-à-dire que Rabbeinu lui a dit, il y a des moments où le tzadik il est fatigué de la médiocrité de l'homme. Il est fatigué, tu me prends. Et Avrel, quand est-ce qu'on mange, il y a des moments où c'est fatigant, tu me prends. C'est-à-dire, il y a des moments où on est dans des choses sérieuses. Et lui, il sort, quand est-ce qu'on mange? Tout le temps, quand est-ce qu'on mange? Attends, il y a un moment où il y a autre chose dans la vie, il n'y a pas que ça. Non, et quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on ça, et quand est-ce ça, et donne-moi ça, et donne-moi ça. Il y a autre chose, tu ne crois pas qu'il peut se passer autre chose que ça? Alors ce principe de d'Avrel, quand est-ce qu'on mange, c'est ça le nian du Ta'anit. C'est ça le tikkun de la malchut. Le tikkun de la malchut, c'est de commencer à dire, arrêter de dire quand est-ce qu'on mange.
ça y est, arrête de quand est-ce qu'on mange. C'est-à-dire, arrête ce que le Zohar il appelle Koach HaZan, c'est-à-dire dans les légumes ils appellent ça le Zen, mais c'est pas le Zen, c'est Koach HaZan. Le Zohar il dit Zan, c'est ce que l'homme il a, comme la plante, elle a tendance à mettre ses racines dans la terre pour prendre de la terre sans arrêt. L'homme, il a ce Koach HaZan. Ce Koach HaZan, il se trouve le plus évident dans le minéral. C'est dans le minéral où on le voit le plus. Parce que c'est là où il y a le plus de transformation. C'est-à-dire où la terre, elle devient une salade, ou elle devient une aubergine, ou un truc. C'est de la terre, c'est-à-dire l'aubergine. C'est une graine, elle est allée prendre dans la terre, de cette graine-là, elle a fabriqué une aubergine. Donc dans la nourriture, il y a une transformation énorme. C'est-à-dire le principe de la nourriture, c'est un principe de pouvoir énorme. Parce qu'une graine, elle a un très grand pouvoir. Maintenant, tu vois, dans la terre, il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des aubergines, il y a des salades. Tout ce que tu manges, ça se trouve dans la terre. Mais quand tu prends un paquet de terre, tu ne vois pas qu'il y a ça dedans. Pourtant, quand tu mets une graine d'aubergine dans la terre, d'où elle tire ? D'où elle est devenue une aubergine ? De cette terre que tu vois. Laisse-la dans un endroit, la graine, elle va pourrir. Alors maintenant, le principe de la malchoute, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, c'est une graine. L'homme, c'est une graine. Un roi, c'est une graine. Un ministre, c'est une graine. Un tzaddik, c'est une graine. Tout, c'est ce principe-là. Mais maintenant, cette graine, si tu la reconnais pas, elle va pas donner le fruit qu'elle doit donner. Elle va rester comme ça, elle va pourrir, c'est tout. Elle va repartir comme elle est venue. Tu sais combien d'individus sont venus dans le monde et ils avaient des solutions pour le monde. Et le monde, il n'a pas pu attraper. Le Harizal lui-même, la veille de quand il est mort, il leur a dit, priez pour que Mashiach ben Yosef, il ne meure pas. Et eux, ils ne sont pas rendus compte qu'ils parlaient de lui. C'est-à-dire, le lendemain, il est mort. Parce que eux, même que c'est à Midim, ils ont dit, tu es grand, un grand tzaddik, c'est vrai. Ils ont vu chez le Harizal vraiment des choses extraordinaires. Le Harizal, il connaissait tout, il connaissait le langage des plantes, des oiseaux, des trucs. C'était un homme très très grand. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu à la hauteur à laquelle il était. Donc il est parti. C'est-à-dire, alors que lui, c'était ma chère Ben Youssef. C'est toujours le cas. On ne reconnaît pas à la hauteur qu'il est. Oui, la même chose. Le monde ne reconnaît pas les sadikim à leur hauteur, sinon ça y est, le monde il aurait été réparé. C'est-à-dire que notre problème, c'est de mettre la confiance là où il faut et au degré où il faut. Comment on peut arriver à être un homme qui est petit, comment il peut dire, ah oui, il est très grand là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde son plat de berger. Mais si tu ne manges pas, si tu fais le tanit comme on est en train de voir ici, Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que tu restes vivant alors que tu n'as pas mangé un jour. D'accord? Donc maintenant, quand tu n'as pas mangé un jour et que tu restes dans ce monde, d'où tu as pris l'énergie pour vivre ce jour-là? Tu l'as pris, tu as été cherché, il n'y a pas de manger. Donc qu'est-ce que tu as été chercher ton énergie ailleurs? Tu comprends? Rabbeinu dit, plus le jeûne y dure, et plus la personne, elle monte plus haut pour aller chercher son énergie. C'est pour ça que le principe du Tanit, c'est un tikkun de ça. Parce que quand tu jeûnes sur le côté, si tu veux, le danger de rendre une idole la matière. Tu vois. Le danger d'adorer la matière. Puisque maintenant, la matière, elle te nourrit, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la matière qui te nourrit. C'est pas la matière, cette aubergine-là, avant de la voir, c'était une graine. Cette graine-là, elle peut pas te nourrir. Mange-la, la graine, elle ne peut pas te nourrir. Mais toute l'aubergine, si tu enlèves la graine, elle ne peut pas exister. Donc maintenant, toi, tu es habitué à manger de l'aubergine tous les jours. Alors à la fin, tu dis, ça y est, l'aubergine, c'est elle qui nous donne à manger. Bien qu'à Paris, les aubergines, elles nous donnent des PV, elles prennent la parnassa des gens. Mais disons que dans la vie de tous les jours, l'aubergine, ça nourrit les gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont nourris par ça. Donc maintenant, quand tu vois
quand tu vois un fruit qui te nourrit, une pomme de terre qui te nourrit, un truc, tu vas, tu peux pas dire que c'est très difficile de dire que c'est, mais les mains, c'est la pomme de terre ou l'orgine ou la pomme et tout, c'est la même chose. Si tu sais aller dans la terre, prendre ce qu'elle prend, la pomme de terre, ce qu'elle prend, l'aubergine, ce qu'elle prend, l'orange, truc, ça y est, t'as pas besoin de ça. Tu manges de la terre, c'est tout. T'as pas besoin de tout ça. Reconnaître à sa juste valeur les choses, mais comment, avec des kelim petits, on peut reconnaître quelque chose de grand? Alors, on n'est pas, on n'a pas de asaga pour des choses grandes. Bien sûr, on a des asagot, mais seulement quand on s'habitue à la médiocrité, c'est pour ça qu'on n'a pas des asagot de choses grandes. Mais nous, on est fait pour avoir des compréhensions qui sont très très élevées. Mais si on passe notre journée à manger des frites et des aubergines, on ne peut pas imaginer qu'il y a autre chose dans le monde. Donc on va placer notre compréhension à ce niveau-là. Mais si tu jeûnes, si tu fais le ta'anit, quand tu vas jeûner, tu vas prendre conscience qu'il y a autre chose. Tu vas prendre conscience qu'il y a autre chose, comme c'est écrit dans la halakha, que le jeûne, c'est juste une mise en condition pour la tshuva. Tu vois, c'est-à-dire, tu te mets en condition pour imaginer qu'il existe autre chose que ce que tu manges tous les jours. Tu comprends? C'est-à-dire que, quand dire ce que tu manges, que tu vas t'alimenter d'autre chose que des apparences, que des manifestations extérieures des choses. Donc tu vas arrêter de faire Avodah Zara. Tu vas arrêter de croire que la matière, elle a un pouvoir. Parce que la matière, elle n'a aucun pouvoir. Tous les kelim que je vois pour la nourriture, les messages, on fait des paroles dessus. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. On va être modé sur quelque chose qu'on n'a pas, sur un jeûne, on peut être modé. On doit dire tout là sur ce qu'on a et sur ça, on doit reconnaître le Kodesh Baruch. Mais maintenant, quand tu fais la bracha, quand tu dis Baruch Ata Hashem, lequel ou Melech, d'accord? C'est-à-dire que quand tu dis Meler, le mot Meler, dans ta tête, qu'est-ce qu'il veut dire? Chacun, c'est différent chez lui. Il y a un, il dit Meler, que le Meler, il est quelque part. Mais le vrai Meler, c'est celui qui lui donne la parnassa, tu comprends? C'est son patron, c'est l'argent, c'est les trucs. C'est ça la malchoute. C'est à ces choses-là qu'il a. C'est vers ça qu'il se tourne, tu comprends? Tous les jours. Qu'est-ce qu'il va regarder tous les jours? Il va regarder les moyens, il ne va pas regarder la racine des choses. Il ne regarde pas la siba de la chose. C'est-à-dire, il ne regarde pas la siba des sibotes. Il ne regarde pas qui est ce qui est derrière ça. Lui, il va vers la siba, c'est tout, c'est la siba. Quand tu dis Barata Hashem, l'okulmechalam, bore periaetz, d'accord? Maintenant, quand tu dis, il y en a qui disent que dans la bracha, c'est lui car c'est quand tu dis Meler, ou Elokenu, ou Meler. C'est-à-dire que quand tu donnes le pouvoir, mais quand tu donnes le pouvoir, avec quoi tu donnes le pouvoir? Avec ta emouna, d'accord? C'est ça qui donne le pouvoir. C'est la confiance dans. C'est-à-dire que tu places ta emouna là-dedans. Donc ton degré de emouna, quand tu dis Vauhata Hashem Elokenu Mecha Olam, il dépend de chacun, il est différent. Mais maintenant, si tu jeûnes, c'est-à-dire que tu arrêtes de consommer, tu vas te rendre compte, tu vas augmenter ta emouna. C'est-à-dire que tu vas augmenter la possibilité d'aller à la racine des choses. Tu vas sortir du côté emballage. Tu vas aller vers la racine des choses. Alors que maintenant, quand tu manges tous les jours, c'est impossible que tu puisses imaginer que tu peux vivre sans manger. Alors que tu peux vivre sans manger. Mais tu ne peux pas imaginer ça. Donc ça ne va pas se passer. Parce que tu ne vas pas y croire. Donc comme tu ne vas pas y croire, ça ne va pas se passer. Mais le jour où tu vas y croire, ça va se passer. Mais c'est possible. Hein? C'est possible, je ne sais pas, Kadosh Baruch il nous a créé et il faut qu'on mange. Non, il ne nous a pas créé pour qu'on mange. Pas pour qu'on mange. Il a créé ça, c'est il nous a pas créé pour qu'on mange. Il a créé un système. Il a créé un système qui est le système basique. D'accord? C'est le système basique, ok? Mais ce système basique, il va évoluer. Tu comprends? Quand il y a un bébé, il a besoin des couches, tu comprends? Le système, il est comme ça, ok? Mais ce qu'on espère un jour, c'est quand il va grandir un peu, il va enlever les couches, tu comprends? Il n'aura pas besoin des couches. Maintenant, le Ben Adam, il est né, il est dans un système basique. On lui donne la base. Voilà la base. Tu travailles, tu manges, tu dors. Voilà la base. Ok? Ça, c'est la base. Mais on espère qu'il va sortir de ça. Qu'il va faire autre chose que ça dans sa vie.
parce qu'il y a d'autres systèmes. Seulement, ça, c'est la maternelle. Ça commence avec ça. Ok, s'il veut rester dans la maternelle toute sa vie, il peut rester, comme la plupart des gens. Mais on espère qu'il va sortir de ça. On va dire que maintenant, tu vas arriver à un moment où tu vas manger. Mais c'est plus la nourriture qui va te... c'est pas la nourriture que tu cherches. Tu cherches l'énergie qu'il y a dans la nourriture. Tu cherches une autre dimension à travers la nourriture. C'est pas le côté extérieur de la nourriture. Le système de base, comme on dit, quand, sans les options, allez, il est comme ça. Il y a des options, jusqu'à l'infini, il y a des options dans le monde. Maintenant, là, le jeûne, il donne une conscience d'une valeur autre que le côté extérieur des choses. Le jeûne, il va te pousser à aller chercher plus loin. Parce que le fait que maintenant, tu vas passer une journée où tu affaiblis ton corps, c'est-à-dire que pendant une journée, tu vas lui dire, reste tranquille, ça y est, ton truc là tout le temps, manger, tu restes tranquille maintenant, tu ne manges pas. Alors quand il ne va pas manger ton corps, alors tu vas donner à ton âme la possibilité de se révéler un petit peu, parce que lui, il ne lui laisse jamais le temps de faire quoi que ce soit, il est toujours en train de demander quelque chose. Ou il demande du sommeil, ou il demande du manger, ou il demande de l'argent, ou il demande du plaisir, ou il demande de la musique, ou il demande de se promener. Il a des besoins sans arrêt. Tout. Il ne s'arrête pas. Maintenant, il y a un moment, il faut l'arrêter. Tu comprends ? Il faut lui dire, tu m'excuses, mais aujourd'hui, tu m'attends en vestiaire, parce que moi, je suis pas là. Je pars. Alors que le fait que tu l'affaiblis, ça te donne la force de croire dans autre chose que de ce que tu vois. La plupart des gens, ils ne croient que dans ce qu'ils voient. Et des fois, ils inventent même, ils croient des choses qui n'existent même pas. Mais la personne, c'est-à-dire le kohar de l'homme, c'est de la emouna. C'est-à-dire que sa emouna, c'est elle qui va fabriquer la chose. C'est-à-dire la chose, elle existe. Et même si elle n'existe pas, elle va exister avec la emouna. Même quelque chose qui n'existe pas, avec la emouna, elle va exister. Une fois, Rabbeinu, je crois que c'était avec Rabbi Shimon, avec son shamash, et il avait un enfant qui était très malade à la maison, et il était mamash à la fin, quoi. Alors il est venu voir Rabbeinu, il lui a dit de prier. Rabbeinu lui a dit, il n'y a pas à prier. Dans le ciel, c'est déjà signé, quoi. C'est terminé. Alors lui, il est allé, il a dit à sa femme, elle s'est mise à côté du bébé et toute la nuit, elle a prié toute la nuit. Et le matin, quand Rabbi Shimon est venu chez Rabbeinu, il a dit, je ne savais pas que sa prière, elle était tellement forte, elle a annulé le décret avec sa prière. C'est-à-dire la prière qu'elle a faite, elle a annulé le décret alors qu'il était scellé déjà. Elle est arrivée à l'annuler, même s'il était scellé. C'est ce que Rabbeinu dit dans ses poèmes assis dans les sept mendiants. Il dit, est-ce que quand tu tires une flèche, même si la flèche elle a atteint la personne, tu peux la ramener encore? C'est-à-dire que même si la personne elle a reçu toutes les flèches, quelqu'un qui a reçu des flèches, il doit mourir. Il a reçu toutes les flèches du monde. Et non, même s'il a reçu toutes les flèches, je peux quand même le ressortir. Je peux ressortir, ramener les flèches. Bon, ça c'est un kohar gadol, c'est-à-dire que il a la force dans ses mains. Il a la force dans ses mains. Les mains, c'est la emouna. Comme dans le mot main, il y a emouna dans le mot main. Ça vient du mot emouna, le mot main. Vayadav emouna. Dès que ses mains, Moshe Rabbeinu, il levait ses mains dans la guerre contre Amalek, ses mains, c'était la emouna. C'est-à-dire que l'homme, les mains, c'est ce qui fait, oui, c'est la possibilité de faire dans ce monde. Bien, la possibilité de faire, elle dépend de la emouna. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, si tu as confiance en lui et tu lui donnes confiance en lui, il peut devenir quelqu'un qu'il n'est pas du tout. Tu peux le fabriquer, le bonhomme, même s'il n'est pas comme ça. Non seulement tu vas sortir tout le bien qui est en lui, mais tu peux mettre du bien en lui même s'il n'est pas le bien. C'est ce qu'il a été puni Elisha. Elisha, quand il a tué tous les enfants qui pourrissaient le il y avait un puits. Et il mettait des herbes, des trucs amers dans le puits, comme ça les gens ils pouvaient pas puiser de l'eau dans le village, et eux ils allaient chercher de l'eau dans un autre village et ils vendaient l'eau dans ce village. Ils faisaient leur parnassa avec ça. C'était un groupe de gamins, c'était une quarantaine, une cinquantaine.
Alors Elisha, il est venu et il a purifié l'eau du village. Alors après, les enfants, ils couraient derrière, ils l'appelaient raseur de Parnassa. C'est-à-dire, ils l'ont accusé qu'il leur rasait leur Parnassa. Alors c'est écrit qu'il les a regardés, il les a tués à tous, ils sont tous morts. Alors après, il a été puni pour ça, Elisha. Elisha, c'était le Talmid de Yohanavi. Elisha, il a été puni pour ça. Alors on dit, pourquoi il a fait ça? Il dit, j'ai vu que ces enfants-là, ils ne sortiraient jamais rien de bien d'eux. Ils étaient entièrement mauvais, il n'y avait rien de bien. Alors Hachem lui a dit, c'est vrai qu'il n'y avait rien de bien, mais on espérait de toi que tu rentrerais du bien en eux. C'est ça qu'on attendait de toi. Pas que tu les tues, on attendait de toi que tu crois qu'ils sont bien, de manière à, en croyant qu'ils sont bien, ils seraient devenus bien. Parce que maintenant, même ce qui n'existe pas, tu peux le fabriquer avec la Emouna. Et d'un autre côté, même ce qui est, si tu ne donnes pas la Emouna, ça ne va pas se manifester du tout. Donc maintenant, si toi, tu n'as pas confiance en toi, jamais tu deviendras autre chose que ce que tu as voulu. C'est-à-dire, tu as voulu comme ça, ben ça a été comme ça, c'est tout. Tu croyais que tu ne pouvais pas y arriver, ben tu ne vas pas y arriver, c'est tout. Et tu croyais que tu allais y arriver, alors tu vas y arriver, c'est tout. Ah, tu vois que tu n'y arrives pas, ben c'est parce que tu ne crois pas assez, c'est tout. Alors c'est ce que tu as demandé. Alors comment on dit, Baurata Hashem, le Konu Mecha Olam, on reconnaît Hashem. Mais quand tu dis le Konu Mecha Olam, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il crée le qu'est-ce que ça veut dire que c'est lui qui crée la pomme que tu vas manger maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est lui qui l'a créée? C'est-à-dire, lui, il a créé la terre, qui a créé la graine, qu'est-ce que ça veut dire, il a créé la pomme? Est-ce que tu es ma'amine que la pomme, Hachem, il peut t'amener une pomme chez toi sans avoir besoin ni de la terre, ni de la graine, ni de l'arbre, ni de rien, ni de la saison, ni de rien du tout? Tu peux te trouver dans l'Alaska et trucs, et tu rentres chez toi, tu trouves une pomme sur la table. Tu trouves un repas tout prêt, chaud et tout, et à personne dans la maison. Tu es ma'amine, ça? Tu n'es pas ma'amine, ça? Donc ça ne va jamais se passer. Tu comprends? Ça ne va jamais se passer, parce que tu n'es pas ma'amine, ça. Ça veut dire que quand tu fais la bracha, tu es ma'amine. Quel est le degré de Mouna que tu mets dans la reconnaissance d'Hachem? Où est ta Mouna? Mais Kaven, mais ça veut dire quoi, mais Kaven? Déjà, c'est une malade déjà de faire ce qu'il y a. C'est sûr que tu es déjà inscrit. Tu es déjà inscrit aux Jeux Olympiques, ça n'a pas de problème. Tu t'es inscrit. Il n'y a pas de problème, tu es inscrit. Mais maintenant, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis Baruchata Hashem, qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Si je sais pas, je dois apprendre. C'est pas que tu sais. C'est pas que tu sais pas. C'est pas un savoir, ça. Ça c'est pas un savoir. C'est pas quelque chose qui s'apprend dans la tête. Tu prends la profondeur. Le da'at, on dit c'est que va t'émaler à Aretz de'a. Le monde il va se remplir de conscience d'Hachem. Kamaim layam mechassim. Comme l'eau recouvre la mer. Autant quand tu rentres dans la mer, tu ne sais pas s'il y a 20 cm ou s'il y a 20 mètres, parce que la surface de l'eau, elle ne va pas t'indiquer la profondeur de l'eau. Tu comprends? Tu ne vas pas avoir d'indication avec la surface. C'est sûr qu'au bord, quand il y a 10 cm, ça se voit, parce qu'il y a un peu de transparence. Mais avance, tu ne pourras pas savoir combien il y a. Et puis avoir 20 mètres, puis avoir 2000 mètres de profondeur, tu ne sais pas. Le Da'at, c'est comme ça. Va t'imaler. Aretz de'a, c'est-à-dire le monde, il va se remplir de la conscience d'Hachem. La conscience, c'est la profondeur que tu donnes à la chose. Maintenant, si tu as la Emouna dans la chose, alors la chose, elle est. Et si tu n'as pas la Emouna, la chose, elle n'est pas. Elle n'est pas pour toi. Ce n'est pas qu'elle n'est pas. La chose, elle est. Mais comme tu n'as pas la Emouna, pour toi, elle n'est pas. Quand Rabbi Nathan y parlait avec les gens qui lui posaient des questions sur Hachem et tout, Rabbi Nathan, il dit, mais moi, je l'ai vu. Moi, quand je te parle d'Hachem, moi, je le vois. C'est comme si je le vois en marche. C'est la même chose. C'est-à-dire, il a une telle émouna que c'est comme s'il voyait Hachem en marche. C'est-à-dire, le jour où il passe de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la barrière, il va aller dans l'autre monde, ça ne va rien changer pour lui. Parce qu'il va voir ce qu'il voyait avant, c'est tout. Avant, il le voyait avec la Emouna. Maintenant, il va le voir de façon avec des chouchim de la Neshama, avec les sens de la Neshama. Mais quand tu fais une bracha,
la émouna que tu mets dans la bracha. C'est ça qui fait c'est ça qui donne la valeur de la bracha. C'est ça qui il y a même des gens, des idolâtres, qui font le Birkat Amazon. Ils font aussi le Birkat Amazon, les idolâtres. Ils remercient Hachem après le repas. Ouais. Tu comprends? Mais ils remercient quoi? Ils remercient. Il y a des gens qui disent merci à l'épicier aussi quand ils vont acheter le pain. Quand ils disent merci et tout, ils remercient l'épicier, ils remercient le boulanger. Ils lui disent, il est bon votre pain aujourd'hui, merci beaucoup, etc. Ils payent, ils payent. Tu comprends? Ils disent merci aussi. Quand tu dis que Hachem, tu es créateur de cette chose-là, il y a une profondeur là-dedans. Cette profondeur-là, c'est-à-dire la profondeur que tu vas attribuer à la chose, c'est ça qui va faire que la chose se manifestera à toi, plus ou moins. C'est ce que tu auras investi dedans. Plus tu vas investir dedans de la émouna, et plus la chose elle va se manifester. C'est pour ça qu'il rapporte ici que le Khorban Bet HaMikdash, il a eu lieu, la destruction du temple, parce que les gens de émouna, ils ont disparu. Les gens qui avaient la émouna, ils ont disparu. Ah, donc le temple, il ne pouvait plus exister. Il ne pouvait pas avoir de maison d'Hachem, puisque les gens, la émouna dans Hachem, ils l'ont perdu. Qu'est-ce que ça veut dire que la émouna dans Hachem, ils l'ont perdu? Quelqu'un, il rentre au Bet HaMikdash. C'est le Bet HaMikdash, c'est la maison d'Hachem. Il y avait des miracles dans le Bet HaMikdash. Ok, mais ils ne croyaient plus dans Hachem. Ils n'avaient plus la crainte d'Hachem. Ils ont commencé à faire des bêtises, ils ont commencé à faire de la shonara, ils ont commencé à faire de la sinatrinam, ils ont commencé à faire des bêtises avec les corbanotes, avec son... Ça veut dire que... Le Tamidash Arishon, c'était une il y avait tous les nissim, les rois, c'est pas chaya. Mais les nissim, c'est pas ça. Les nissim, c'est pas ça qui va te donner la emouna. C'est pas les nissim qui donnent la emouna. Parce que les nissim, les miracles, c'est une manifestation d'Hachem. C'est un outrepassement d'Hachem par rapport à toi. C'est pour ça que Rabbeinu, il était assour benissim. Rabbi Nachman, il était assour benissim. Rabbi Nachman, quand il est venu dans ce monde, on lui a dit, tu n'as pas le droit de faire des miracles. Il n'avait pas le droit de faire des miracles. Parce que Rabbi Nachman, il t'amène vers une connaissance d'Hachem sans miracle. Parce que quand tu utilises le miracle, c'est comme si quelqu'un se drogue, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, quelqu'un il m'a dit, moi quand je fume un peu de hache et des trucs, je fais bien ma tefila. Je me sens bien dans la prière et tout. Alors je lui dis, il vaut mieux que tu fais mal la prière, que tu ne fumes pas du hache, parce que c'est une prière. Maintenant, si c'est le hachiche qui prie, il peut prier tout seul, il n'a pas besoin de toi, le hachiche, pour prier. Si tu veux prier toi, alors il faut que tu fasses sans ça. Alors c'est quoi le chat de Rumer Iva, de l'Oeman Tembi? Alors, Moshe Barwan, ils ont mis d'abord Rumer Iva Shrina. Moshe Shrina, mais d'abord Rumer Iva Shrina. Vas-y, l'Oeman Tembi. Ils ont vu, c'est Rabbi Nathan, c'est l'autre chéken. Mais c'est toujours le même principe. Que ça veut dire l'Oemantembi? Ça veut dire pourquoi ils ont frappé le rocher? Parce qu'ils ont subi la pression du peuple. C'est pour ça qu'ils ont frappé le rocher. Parce que comme le peuple, il était en retard dans la Emouna. Parce que comme le peuple qui est sorti de Mitzrayim, c'était des gens qui faisaient Avodah Zarah, c'est-à-dire qui avaient l'habitude des manipulations des énergies, et si tu veux, naturelles. C'était ça leur façon de vivre. Ils n'étaient pas à un niveau d'Emouna que Moshe Rabbeinu pouvait parler avec le rocher et faire sortir de l'eau. Ils ne pouvaient pas imaginer une chose comme ça. Ils ne pouvaient pas. Vous ne pouvez pas imaginer. Toi, tu es ma amie. Moi, je te dis, ma grand-mère, elle est à Shalom, elle m'a raconté, j'étais petit, j'avais 4 ans, 5 ans. Elle avait une voisine qui est devenue veuve, qui a perdu son mari. Elle m'a dit, cette voisine-là, tous les jours, elle trouvait un billet dans son tiroir de la maison. Tous les jours, elle avait un billet, elle allait faire ses courses et tout. Et tous les jours, ce miracle, il se répétait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle n'a manqué de rien. Tous les jours, elle avait ça. Tu crois ça, toi? Ça peut t'arriver. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais pas tu crois, style et Mouna. Si tu crois, Behemet, ça va t'arriver. Non, je crois qu'on peut croire. C'est Rabbi Hanan de ça, c'est l'histoire avec lui. Ouais, on croit ça. Hein? On ne croit pas que nous, on peut y arriver. Moi, je ne peux pas croire que je peux être Rabbi Hanan. Mais alors, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que tu peux y arriver, alors, si toi... Un être aussi sophistiqué qu'Hachem il a créé avec une neshama, tu crois pas que tu peux y arriver? Comment tu veux croire que le vinaigre il peut brûler comme l'huile? Alors que le vinaigre qui peut brûler comme l'huile, c'est un stade beaucoup plus bas, c'est quelque chose de beaucoup moins développé.
Si tu crois pas qu'un homme il peut se transformer et devenir quelqu'un de bien, comment tu vas croire qu'une graine elle peut rentrer dans la terre et pourrir et donner une aubergine? Jamais tu vas croire ça. Tu vas croire que c'est des forces naturelles, c'est tout. Tu vas pas croire que c'est possible. Parce que c'est ce que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan. Il lui a dit, tu n'as pas d'émouna. Alors Rabbi Nathan, il était choqué. Il a dit, non, tu n'as pas d'émouna en toi. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Alors comment on y arrive? Comment on y arrive? Ça, ici Rabbeinu, il amène la ça du Ta'anit. Maintenant, cette halakha-là, elle est sur les Ta'anit, sur les Arba Ta'aniyot, qu'avec ça, on répare la malroute. Maintenant, on sait que Rabbeinu, il a dit qu'avec la Hidrou des doutes, on arrive, on n'a pas besoin de jeûner. C'est-à-dire que quand Rabbeinu l'a découvert, la réparation du pouvoir par la reconnaissance du dialogue, c'est-à-dire que parler, c'est reconnaître quelqu'un, tu comprends? Quand tu vois bien quelqu'un, quand il rentre quelque part, on ne lui parle pas, il sent qu'il se sent... Il s'en va. C'est-à-dire quelqu'un est dans un mariage, il tourne une demi-heure et personne ne lui parle, il s'en va, c'est tout. Il sent qu'il n'existe pas parce que personne ne lui parle. Maintenant, quand Rabbeinu l'a découvert, le lien de la Hidrou des doutes, c'est quelque chose qui existait depuis la création du monde, mais que Rabbeinu l'a découvert comme il l'a découvert pour l'amener aussi bas et le faire pratiquer par des gens qui sont vraiment les derniers fonds de la marmite, ça c'est un chidouche gadol meod. Alors Rabbeinu il a parlé de l'Hidrou des doutes parce qu'il a dit que la discussion avec Hachem, le fait que tu vas t'habituer à parler avec lui, c'est ça qui va te faire le reconnaître et c'est ça qui va te faire te reconnaître. Tu penses les deux, c'est à dire que quand tu vois quelqu'un et tu dis mais moi je peux pas parler avec Hachem, mais si tu peux pas parler avec lui, ça veut dire que tu crois pas qu'il existe. Si tu peux pas parler avec lui, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est vraiment la même chose. Tu dis voilà, quelqu'un fait une bracha, d'accord? Okay. Il a fait la bracha, c'est-à-dire il a fait la chose dans les normes, d'accord? Maintenant dis-lui quand il finit de manger la pomme, qui fait Borene Fachod, dis-lui de faire un petit poème ou de dire quelques mots sur la pomme qu'il a mangée à Hachem. On disait, elle était bonne cette pomme, elle était juteuse, elle était douce, c'était agréable de manger ça et tout ça. Dis-lui de faire quelques mots de dire à Hachem, tu vas voir, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas qu'il existe, Pachout. Quand il fait sa bracha, il a fait la norme. La norme, il y a une formule à dire. Vous savez, quand vous mangez un fruit, il y a une formule qui vous dit, il faut dire la formule. Et tu verras ça dans les livres, des fois dans les traductions en français, des trucs. Il y a la formule du Hametz, la formule de ça. C'est des formules. Tu vois. La personne, elle a dit la formule de la bénédiction. Mais dis-lui de parler avec Hachem sur ça, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas, c'est tout. Ni il croit qu'Hachem il existe, mais il croit que lui, il existe. Mais parce qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Parce que le type il a pas de date, parce que le type il fait sans conscience. Mais les mots, il faut dire des choses, il faut mettre de la valeur dans ces mots. Alors tu as une recette pour mettre dans d'accord, dis-moi, d'accord, je suis d'accord avec toi, il faut mettre de la valeur, de la profondeur dans les mots. Alors comment on fait? On se casse, on tape la tête contre le mur, comment on fait? Tu as une méthode, on fait des cabrioles, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les cabanes, mais arrête de dire il faut. Ça sert à... J'ai compris qu'il faut, mais dis-moi comment. Je veux pas il faut. Dis-moi comment. Moi je comprends pas. Dis-moi qu'est-ce que ça veut dire il faut. Je suis libanais sur ce que je suis. Je suis libanais sur ce qu'il y a. Je suis libanais sur ma faillite, mes faux. C'est quoi qui me donne de la vie? C'est tout. Et avec ça, c'est où ça? Tu crois qu'avec ça, tu as réglé le problème? Avec ça, j'ai réglé. Avec ça, si tu réfléchis, c'est pas en réfléchissant. Tu peux réfléchir toute ta vie, tu ne peux pas trouver comment t'en sortir. Quelqu'un il a une mauvaise mida, quelqu'un il peut réfléchir tant qu'il veut, ça ne va rien arranger du tout. Ce n'est pas la réflexion qu'il faut. Il faut un moyen d'enlever les voiles qui font croire que la matière elle a une valeur quelconque, autonome. L'autonomie de la matière, il faut enlever ça. Si tu n'enlèves pas l'imagination de l'autonomie de la matière, jamais tu pourras croire qu'il y a quelqu'un derrière ça. Même si tu fais tes brachot,
Parce que quand tu fais tes brachot, tu crois que c'est une formule qu'Hachem t'a dit, que tu ne peux pas manger si tu ne fais pas cette bracha, comme la Gemara elle dit, celui qui manque son bracha, c'est un voleur. Donc toi, tu ne veux pas être un voleur. Donc tu dis merci Hachem que tu as créé le fruit de l'arbre. C'est un d'accord degré. C'est un degré dans le travail. C'est un degré, mais c'est le degré, de, je te dis, c'est le degré c'est de la... Santé, c'est la maternelle. C'est la, oui, on avance, tu vois, toi, beaucoup de gens qui avancent. La plupart des gens, ils n'avancent pas. Ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et au contraire, ils reculent. La plupart des gens, même des balais tchouva, tu les prends 10-15 ans après la tchouva, tu verras qu'ils font beaucoup moins bien les brachot qu'au début. Au début, ils savaient beaucoup moins de choses et ils faisaient beaucoup mieux les brachot. Et après, ils savent des choses, ils apprennent des choses. Et tu vois, quand ils font la bracha, comme ça, ils mangent des trucs. La plupart des gens, c'est comme ça. Tu vois qu'ils reculent, ils n'avancent pas. Parce qu'ils développent la cabeça, ils développent le système intellectuel, mais ils ne développent pas la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, ce n'est pas d'apprendre des choses, ça ne développe pas la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, c'est que tu prennes conscience qu'il existe. Il faut que tu prennes conscience qu'il existe, que tu le craignes, que tu saches qu'il est là, qu'il est à côté de toi. Et quand tu as fait un bon repas, alors tu ne vas pas te contenter du Birkat Amazon. De la même manière que quand tu remercies ta femme parce que le repas il était bon, tu ne vas pas te contenter de lui dire merci et merci pour le repas. Tu vas amener des détails, tu vas dire des détails sur le repas. Tu dis ça avait un goût comme ça, ça c'était bien cuit, ça t'as relevé avec ça, ça c'était vraiment une bonne idée. Tu vas dire des mots pour enjoliver ça. Ça veut dire que tu veux donner quelque chose. Tu veux reconnaître, tu veux être reconnaissant. Tu vois. Maintenant, quand Hachem, tu lui fais ta formule de Birkat Amazon, c'est bien, c'est très bien, elle va que le Olam entier fasse Birkat Amazon. Mais je te dis, les gens qui font Avodah Zarah aussi font Birkat Amazon. Et pourtant, c'est des Ovdei Avodah Zarah, c'est des gens qui sont dans l'idolâtrie. Il y a un Birkat Amazon qui est une formule à réciter après le repas, action de grâce après le repas. Et il y a un Birkat Amazon que la personne bémette et remercie Hachem parce qu'elle est consciente de l'existence d'Hachem. Maintenant, cette conscience de l'existence d'Hachem, elle est différente chez chacun. Chacun. Il y a la base minimum où quelqu'un il peut rester toute sa vie dedans et il peut même reculer. Et il y a avancer, avancer, avancer. C'est pour ça que Rabbeinu, il a mis en avant le dialogue et il t'a dit qu'avec le dialogue, tu vas avancer plus que tout. Qu'avec le dialogue avec Hachem, c'est ça qui va te prendre conscience de son existence. Pachout. Plus tu vas parler avec lui, Behemet, plus tu vas être conscient qu'il est là et qu'il t'écoute, et plus sa conscience, elle va s'ouvrir que tu vas ressentir la présence d'Hachem dans tout ce que tu fais. Et après, tu vas bien faire tes brachot, tu vas bien faire tout. Tout, tu vas bien le faire. Pas parce que tu as réfléchi, parce que tu es conscient qu'il est là à côté de toi. C'est pas parce que tu as réfléchi. Tu peux réfléchir jour et nuit, jamais tu seras conscient qu'il est à côté de toi. Conscient d'être à côté de toi, c'est un lien qui se crée. Ce lien, il ne peut pas se créer avec ton cerveau. Jamais avec ton cerveau, tu peux créer le lien avec Hachem. Le lien avec Hachem, tu le crées soit en cassant le corps avec le jeûne, parce que le jeûne, il va casser ce qui t'empêche de voir les C'est comme quelqu'un, il se regarde dans le miroir. Soit il se trouve pas beau, soit il casse le miroir, soit il va se faire une opération de il va se faire arranger le nez ou ce qu'il veut. Tu comprends? Mais il n'y a pas d'autre système. Tu comprends? C'est-à-dire que la personne, si elle veut prendre conscience que Hachem il existe, soit il casse son corps, parce que c'est son corps qui l'embête. C'est le corps qui l'embête, c'est le corps qui l'empêche de voir autre chose. Que la manifestation de la matière, puisque le corps c'est l'emballage et il lui fait voir que les emballages, et le corps il a énormément de besoins. Donc tous les tzadikim ils ont cassé leur corps pour entrer dans la Avodat Hashem. Ils ont fait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes, ils ont fait beaucoup d'efforts physiques pour pouvoir entrer dans la Avodat Hashem. Maintenant il est venu Rabbeinu, il a révolutionné complètement la Avodat Hashem en disant t'as pas besoin de faire ça. Non seulement tu n'as pas besoin de faire ça, mais déjà tu n'as pas le droit, tu n'as même pas le droit de casser ton corps. Alpi alacha. C'est-à-dire, Hachem il t'a donné un keli qui est ton corps. Même si tu le casses, l'Hachem Shamaïm, sauf il va être cassé. Sauf tu vas arriver à un âge où tu vas être malade parce que tu as cassé ton corps. Tu vas être faible. Rabbeinu lui-même, il a dit si j'avais découvert la Hidbo Yedou, je n'aurais pas cassé mon corps. J'avais un corps qui était bien, qui ne me faisait pas de problème, etc. Je l'ai cassé avec les jeunes. Il a cassé, il s'est affaibli, tu comprends?
Après, quand il affaiblit son corps, tu affaiblis aussi toutes les possibilités de faire Avodat Hashem. Rabbeinu l'a mené un chemin de l'Aïdbo de Doute où tu n'as pas besoin de casser ton corps, ton corps. Tu n'as pas besoin. Au lieu de le casser, tu vas le faire rentrer dans tu vas en faire un ami, tu vas le faire rentrer avec toi, tu comprends? Au lieu de le casser, tu vas l'aspirer, tu vas l'embaumer, tu vas lui donner du souffle divin et il va commencer à se raffiner qu'avec le dialogue avec Hachem. C'est la seule chose, où tu choisis le jeûne, où tu choisis le dialogue, c'est comme tu veux. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à ça. Il n'y a pas des moyens intellectuels de créer le lien avec Hachem. Tu peux réfléchir toute la journée et être sûr par tes calculs. Tu fais des calculs et des calculs et des calculs et tu arrives à l'évidence par calcul que Hachem il existe, ça ne t'attablerait pas, ça ne, pour autant le contact avec Hachem. Le contact avec Hachem, il se fait soit en cassant le mur que tu sépares de lui, c'est ton corps, soit en faisant une ligne de téléphone, c'est-à-dire derrière le mur, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou tu casses le mur, tu le vois, ou tu mets une ligne de téléphone entre les deux chambres et tu parles avec lui. Tu comprends? Mais la idbonenout, la réflexion, elle n'amène pas la conscience de l'existence d'Hachem. Même si elle amène une conscience, c'est une conscience intellectuelle. C'est-à-dire qu'après, quand tu as besoin d'une conscience dans l'acte, quand tu as besoin de te comporter d'une certaine manière, c'est pas de la réflexion que tu as besoin. Tu as besoin de vivre la chose, c'est pas de la réflexion que tu as besoin. Quand maintenant tu as besoin de résister à une tentation, c'est pas de la réflexion que tu as besoin. Tu as besoin de force, tu as besoin de croire, tu as besoin d'avoir de l'énergie en toi. C'est pas de la réflexion. La réflexion ne peut pas t'amener à résister à l'émotionnel. L'émotionnel, il est 100 fois plus grand que la réflexion, il est 1000 fois plus grand que la réflexion. C'est vrai qu'avant, il y avait des gens qui avaient un cerveau qui était lié avec leur cœur, et ils arrivaient à avoir ce qu'on appelle chokhmat lev, c'est-à-dire la chokhmat du cœur. C'est-à-dire qu'ils avaient un cœur qui était lié avec la chokhmat. Mais vu que de nos jours, le cœur, il est tellement un cœur de pierre au niveau à cause de la consommation, les gens, ils n'arrivent pas à intégrer la chokhma. Alors, Rabbeinu, il te donne les méthodes comment intégrer la chokhma. Il te dit comment tu vas intégrer la chokhma. Il dit, parle avec Hachem. C'est tout. Parle avec Hachem et tu vas prendre conscience qu'il existe. C'est tout. Et quand tu vas prendre en même temps conscience qu'il existe et en même temps conscience que tu existes. Parce que toi-même, tu es une partie d'Hachem. Selon, si tu veux, ton degré de prise de conscience de l'existence d'Hachem, c'est le degré de conscience de ton existence à toi. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu existes et que tu as des capacités. Tu vois bien que si tu n'as pas un maître, si tu n'as pas appris avec un maître, tu vois que si tu fais si tu es un autodidacte, tu vois pas, comment tu vas faire? Tu ne peux pas un autodidacte. Si tu as un maître, le maître, il va te monter, il va te faire monter, tu comprends? Parce que le maître, il croit en toi. Le maître, il croit en toi. Quand tu vas voir quelqu'un qui croit en toi, toi, tu vas croire en toi. Et tu vas voir que ça marche. Oui. Donc, ça veut dire que la chose, elle était là. Quand j'étais à l'école, je ne savais pas que les racines carrées, ça existait. J'étais en 6e, je ne savais pas. Ouais. Je suis arrivé en 3e, j'ai découvert les racines carrées. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'en sers pas. Rien que pour expliquer à ma fille qu'est-ce que c'est une racine carrée, mais je sais que ça existe. Maintenant, si je travaille dedans, alors un mathématicien, il sait que la racine carrée, ça existe, il s'en sert, il travaille avec ça. Mais d'où ça a commencé? Par son cerveau. La même manière, Shabbat Shaifa, Alfon, c'est Shabbat. Je travaille dans la route, alors j'arrive à Shabbat, c'est sûr que je ne vais pas arriver à. Mais Badak, ce n'est pas là que je vais commencer. D'abord, dans les idées, ça vient du da'at. Le da'at, c'est pas la chokhma. Il y a chokhma, il y a bina et il y a da'at. Le da'at, c'est pas la chokhma. Il y a la chokhma, il y a la bina, il y a le da'at. Il y a la connaissance, il y a la réflexion et il y a le da'at. Le da'at, c'est Ruach HaKodesh. Le da'at, c'est pas de la connaissance. Le da'at, c'est un souffle divin. C'est pas du tout de la connaissance. C'est pas de la connaissance. Il y a des gens, ils ont réfléchi dans leur vie, ils sont plantés complètement. Avec leur réflexion, avec leur Torah, avec tout.
mais parce que ils ont réfléchi sans souffle divin. C'est le souffle divin qui montre le chemin. C'est le souffle divin qui ouvre. C'est pas ce que tu as dans ta tête. Tu peux avoir des choses dans ta tête très développées. C'est pas ça qui va te permettre l'application. C'est pas ça qui donne la malchoute. La malchoute, c'est la force dans l'application. C'est ça la malchoute. La malchoute, c'est que tu marches dans la rue, tu sais si tu dois aller à droite ou à gauche. Tu as une inspiration, tu sais où aller. Mais ça vient pas de ta tête. Ça vient de la connexion. Ça vient pas de la tête. Le da'at, c'est le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est le degré, si tu veux, de prise de conscience de l'existence d'Hachem. C'est pour ça que l'Aïd-Bodé-Dout, Rabbeinu dit, c'est Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, quand tu parles avec Hachem, c'est Ruach HaKodesh. Parce que quand tu parles avec Hachem, il s'établit, si tu veux, entre toi et lui un lien qui te donne après une inspiration divine et qui peut être permanente. Si tu t'habitues à vivre en dialogue permanent, si tu ne raccroches pas, tu comprends ? Si tu ne raccroches pas, regarde ce que c'est le dialogue, regarde ces petits-là, les pauvres, qu'il a appelé la police elle croit que c'est une blague. Mais pourquoi tu crois que c'est une blague ? On n'est pas pourim, on n'est pas pourim. Pourquoi tu crois que c'est une blague ? Pourquoi un jeune qui appelle, qui dit on a été kidnappé, il croit que c'est une blague ? On vit dans un pays quand même où il y a des problèmes, on ne vit pas dans un pays où on n'est pas sur la Côte d'Azur, on est dans des endroits, en plus ces gens-là, ils sont dans des endroits, n'importe quoi, on attribue un minimum de confiance dans le message que tu entends. Et pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi quelqu'un qui travaille dans la police, il peut recevoir un message comme ça et il peut avoir aucune réaction du tout ? Ça met des heures alors que peut-être ils auraient pu les sauver. Peut-être tu peux pas savoir. Mais bon, tout c'est Mina Shamaïm. Mais maintenant, la personne, pourquoi ils ont renvoyé ? Pourquoi ils ont renvoyé ? Le bonhomme, il était assis, il a répondu au téléphone. Pourquoi il a renvoyé ? Il était là, il était présent à son travail. Il a répondu, oui, shalom, ken, d'abord, oui, quoi ? Truc et tout, ah ouais, ça. Quand on dit la conscience professionnelle, c'est quoi la conscience professionnelle? La conscience professionnelle, c'est du Ruach HaKodesh dans le travail. C'est ça la conscience professionnelle. Pourquoi tu prends quelqu'un qui n'a pas de conscience professionnelle, tu ne le prends pas? Pourquoi un médecin qui n'a pas de conscience professionnelle, tu ne vas pas chez lui? Parce qu'il peut tuer quelqu'un. Et pourtant, c'est un très bon médecin, mais il n'a pas de conscience professionnelle. Donc maintenant, il peut faire n'importe quoi. Et pourtant, il connaît très très bien son métier. Mais il n'a pas la conscience professionnelle. Il n'a pas assez l'amour du métier ou l'amour de l'homme ou de l'application pour pouvoir recevoir une autre dimension dans son travail. Là, c'est pareil, le gars, il est là à son poste, il a son travail. Etc. Attends, un gars, il t'appelle, tu dis, j'ai été kidnappé, tu dis, je croyais que c'était une blague. Où on est, c'est un cirque, c'est dans quoi on est. Tu es censé quand même. La moindre des choses, c'est que tu n'es pas sérieux, tu ne sais pas être transmis à quelqu'un d'autre. Tu es transmis, appelle ton chef, dis voilà, j'ai reçu un appel comme ça, moi je pense que c'est une blague. D'accord ? Et ton chef, il va te dire quoi faire. Et si son chef, il est aussi idiot que lui, tu es un autre qui fera quelque chose, tu vois. Mais tu vois bien que c'est des gens qui sont à leur poste, qui ont l'uniforme, qui ont la connaissance, qui ont la formation. Ils ont tout. Il manque juste une chose, c'est que tout ça, ça ne sert à rien. C'est tout. Ça va lui servir, oui, à lever le téléphone, après. Mais ce qu'on attend de lui, il va faire des bêtises. Maintenant, cette personne-là, elle a fonctionné des années dans son poste. Ça ne se voyait pas. Mais quand maintenant, c'est le travail, il exigeait un truc un tout petit peu plus humain, plus, le gars, il n'est pas là. À savoir si le gars, quand il répond au téléphone, il est en train de regarder la télé, tu vois. Il est en train de manger un sandwich, il regarde la télé, truc. Il attend, il a envie de rentrer chez lui, c'est le soir et tout. Ah, le gars, qu'est-ce qu'il a à faire de ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il a à faire de ça? J'avais un ami qui travaillait dans la police, il m'a dit quand il recevait dans la voiture de police un appel comme quoi il y avait un hold-up dans un endroit, ils prenaient la direction opposée. Ils attendaient une demi-heure, trois quarts d'heure qu'ils soient sûrs que c'est terminé, et après ils allaient là-bas. Il me dit, qu'est-ce que tu crois que je vais risquer ma vie pour ce que je gagne tous les mois? Ben, ça c'est de la conscience professionnelle, ça. Pourquoi on t'a mis dans ton travail, tu vois? C'est la conscience professionnelle, c'est le Ruach HaKodesh qu'il y a dans le travail. Parce que Oumanout, quand je dis les mains, Oumanout, le travail, c'est Emouna. C'est-à-dire, dans le travail, il y a du Ruach HaKodesh. Dans le travail. Parce que le travail, il est lié avec le Mishkan.
Il y a du Ruach HaKodesh dans tout le travail. Mais pour ça, il faut une conscience professionnelle. Et ça, tu ne l'apprendras jamais dans la technique. Jamais tu l'apprendras. Mais tu pourras l'apprendre, par contre, si tu es méchamèche quelqu'un. Si tu es méchamèche quelqu'un, si tu sers quelqu'un, que lui, c'est un maître dans ça, tu peux recevoir la conscience professionnelle. Parce que tu vas voir comment la personne... Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la valeur qu'elle attribue aux choses, tu comprends? Tu vas travailler avec quelqu'un, tu vas voir où il met ses outils, comment il range ses outils, par exemple. Tu vas voir des gens, chaque outil qu'il prend, il nettoie, il le range. Après, il vient, il a besoin de quelque chose, ça vient tout de suite, il trouve les trucs. Et tu as des gens, quand ils commencent à faire de la mécanique ou n'importe quoi, il y en a partout, tu prends. Il y a des trucs partout, mais ça, qu'est-ce que tu vas faire? L'homme, il a les midotes qu'il a. Il y a des gens qui sont brouillants, des gens qui sont ordonnés. Mais quand tu as un maître dans quelque chose, chaque façon qu'il a de faire, tu vas développer en toi une conscience par rapport à la façon de faire les choses. Et ça, ça vaut plus que tout ce que tu pourras apprendre dans des livres, dans une université ou dans n'importe quoi. C'est-à-dire là où tu vas chercher par la chorma, jamais tu arriveras à ça. Parce que la chorma, c'est une chose, c'est l'enregistrement de données, c'est tout. Mais la chorma, elle ne donne pas le da'at, tu vois. La chorma, elle ne donne pas le da'at. La chorma, c'est de la chorma. Maintenant, c'est vrai que chez Esav, dans la galoute qu'on vit, ils font le lien entre ça. Et ils disent que la chorma, c'est-à-dire que quand tu reçois normalement un médecin, quand tu lui donnes son diplôme, c'est pas que la connaissance de la médecine qu'il faut vérifier. Il faut vérifier le bonhomme, qui il est. C'est pas que la connaissance de la médecine, parce qu'il va manipuler des êtres humains, tu comprends? Tu vois pas, il y a des fois dans des... Tu entends des fois dans les informations des usines, ils ont ramené 500 000 voitures, tu comprends, qui étaient sur le marché, ils les ont ramenées à l'usine. Comment une usine, elle peut fabriquer 500 000 voitures avec un défaut dans les freins? Comment c'est possible? Dis-moi comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça vient de quoi? Ça veut dire que le gars, il travaille à la chaîne, tu comprends? Le gars, il visse une roue, l'autre, il visse ça, l'autre. Le gars, il est payé ce qu'il est payé. Il est payé à la production, la productivité, etc. Maintenant, il y a quelque part, il y a un manque de conscience professionnelle. Voilà, dans les trains en France, je ne sais pas ce qu'ils ont commandé, des trains ou des rails qui étaient à l'épave, je ne sais pas quoi, pour des milliards, tu comprends? Des milliards. Des mesures qui sont fausses. Dans les rails ou dans les trains, je ne sais pas. Dans les rails. C'est les rails. Oui. Voilà, ils ont commandé des mesures de rails qui ne correspondent pas au train. Pour des milliards. Tu comprends? Comment une entreprise comme ça, elle peut faire une bêtise pareille? Parce qu'il n'y a pas de conscience professionnelle, c'est tout. Il y a quelques... Chacun, il en a moins à faire que l'autre, tu comprends? Donc à la fin, tu arrives à n'importe quoi. C'est déjà bien qu'ils ont commandé des rails, ils auraient pu commander je pense qu'ils auraient pu commander aussi, n'importe quoi, ils auraient pu commander. Ça s'appelle du da'at. Du da'at, il y a des gens, ils ont du da'at. Ils resteront, ils truquent, tant qu'il n'y a pas les clés, tant qu'il n'y a pas, ils ne partiront pas, ils ne feront pas. Les choses, ils vont les faire comme il faut les faire. Parce qu'il y a un da'at, tu comprends? Mais ce n'est pas la connaissance, même si le gars, il connaît. Ça ne se fabrique pas avec de la connaissance. Mais c'est pas, quand on parle de Torah, hein, c'est pas la chokhma traditionnelle, tu vas l'étudier. Mais c'est la chokhma de la Torah, c'est pas pareil, c'est une chokhma. Il y a ce goût-là de la Torah, il y a plein de choses dans la Torah. Mais regarde où on est aujourd'hui dans la Torah, regarde le monde dans quoi il est. Regarde le monde de la Torah où il est, regarde la Torah qu'il y a. Regarde comment c'est facile aujourd'hui d'étudier la Gemara, d'étudier la Halakha, d'étudier tout. Comment il y a des facilités extraordinaires. Mais regarde les individus dans quel état ils sont aujourd'hui par rapport à avant. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, ce n'est pas la refoua de la Malchut. Entre Malchut et Chokhma, c'est les Sphirot qui sont les plus éloignées l'une de l'autre. C'est les plus loin. Il y a toutes les sphirotes, elles sont entre Chokhma et Malchut. C'est-à-dire que la Malchut, c'est tout sauf de la Chokhma. Tout ce que tu prends dans les sphirotes, c'est plus Malchut que la Chokhma. Parce que la Chokhma, c'est le plus loin. Parce que la Chokhma, c'est un projet, c'est tout. La Kachia qui est ici, c'est que les Torah, un peu de nous donne Torah et Tavlin.
Et c'est ça qui est Meshaber, les mauvais penchants, c'est ça qui travaille sur le Ben-Adam. Celui qui est Messi Metatsmo dans l'Orel, mais Mitatatsmo, normalement il va arriver à ça, puisque c'est le Tachlit de la Torah. Alors maintenant, sinon il faut aller chercher quelque chose d'autre, il faut attendre, depuis Briat Ta'olam, il faut attendre Rabbi Nachman qui va nous donner le sol de. Bien sûr, sinon Mashiach serait venu déjà. Sinon Mashiach serait venu déjà. Sinon Mashiach il serait venu. Il y a eu des. Il y a des bonnes, c'est que Mashiach il vient quand il y a un dor de'a, quand tu auras la conscience d'Hachem, alors Mashiach il viendra dans le monde. Il faut c'est la conscience. Et les plus grandes générations qu'il y a eu, les Tanaïm, les Amoraïm, ils étaient à des niveaux extraordinaires, mais la conscience d'Hachem, ils ne sont pas arrivés à trouver une méthode universelle pour donner la conscience d'Hachem au peuple, à tout le monde. Rabbi Nachman, il a amené une méthode que n'importe qui peut avoir la conscience d'Hachem. Même une vache peut avoir la conscience d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde va avoir la conscience d'Hachem. Ça, c'est la fin des temps. Bien sûr qu'il y a besoin. C'est comme si tu dis Yetziat Mitzrayim. Il fallait attendre Moshe Rabbeinu pour sortir d'Égypte. Eh oui, c'est pas Moshe Rabbeinu. Ça y est, l'histoire serait terminée en Égypte. Il n'y aurait pas eu de suite. Pourtant, il y a des avant, il y a eu beaucoup de gens qui étaient de très grande valeur avant eux. Mais de sortir le peuple d'Égypte, c'est que Moshe Rabbeinu qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre qui a pu faire ça. Alors, on continue dans le texte. Bezeprina Ta'aniot, Shemitanin al-Kshamim. C'est pour ça qu'on jeûne aussi quand il y a un besoin de pluie. Comme c'est écrit dans la Gemara Tanit, elle parle de Yann de Geshamim, de la pluie. Qui attira de Geshamim ou de Shvil Chesron et Mouna. Parce que pourquoi il n'y a pas de pluie? C'est parce qu'il y a un manque de Mouna. On est passage bête, page 382. La pluie, elle ne manque que parce qu'il n'y a pas d'émouna. Qui carri amida, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais achar shenifsa kaemouna, aedese uprinat atzirat achasadim. Quand il n'y a pas d'émouna, alors il y a un manque de chesed dans le monde, c'est-à-dire un manque de miséricorde. Qui keshenechsar haemouna, asbevadai adibur bagalout. Voilà, quand il n'y a pas d'émouna, c'est sûr que la parole, elle est en galout. Puisqu'il n'y a pas d'émouna, comment on va se parler? S'il n'y a pas de confiance, les gens ne vont pas communiquer. S'il n'y a pas de confiance dans Hachem, personne ne va parler avec Hachem. Galout dibour, prinat nihar, gronish, ou prinat yeveshut. Qu'est-ce que c'est la galoute du dibour? C'est nihar, groni, que ma gorge, elle s'est desséchée. Chou prinat yeveshut. Ça, c'est l'assèchement. Alken ba onesh alidatsirat vimegeshamim, chou yeveshut rasveshalom. Donc quand la gorge elle se sèche, alors la terre aussi elle s'assèche. C'est-à-dire quand la gorge s'assèche, parce qu'il y a un manque d'émouna, alors il n'y a pas de communication avec Hachem, il n'y a pas de prière, alors la terre aussi elle s'assèche, c'est-à-dire il n'y a pas de pluie. Maintenant quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a la famine, puisqu'il n'y a rien qui pousse. Vous voyez maintenant comme ça se lit le Ta'anit avec le lien de la Emouna par rapport à ce qu'il dit maintenant. C'est-à-dire que maintenant la Emouna, ça fait pleuvoir. Quand il y a de la Emouna, il y a la pluie. La pluie, elle fait pousser la nourriture. Et maintenant, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. D'accord? Ça vient que les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a de la famine dans le monde. Et c'est aussi une mesure par rapport, c'est-à-dire de la même manière que les gens sont comportés comme ça, qu'ils n'ont pas eu la émouna, alors la pluie aussi ne vient pas. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils sont tombés dans la tara du manger. Quand il n'y a pas d'émouna, alors les gens, là, il y a tavatachila, c'est-à-dire que les gens, ils cherchent à prendre de l'énergie dans la nourriture. Ve'en amachalim mevorarim, c'est-à-dire que maintenant la nourriture, elle n'est pas triée. C'est-à-dire quand quelqu'un il n'a pas d'émouna, alors quand il mange, il ne fait pas de tri dans la nourriture. Dans la nourriture, il y a beaucoup de choses dans la nourriture. Quand tu manges quelque chose, il y a beaucoup d'éléments dans la nourriture. Il y a des éléments dont tu as besoin, il y a des éléments dont tu n'as pas besoin, et il y a des éléments qui sont dangereux pour toi-même. Dans la même nourriture. Maintenant, comment tu vas faire le tri?
dans ce que tu vas manger. Tu ne peux pas trier, ce n'est pas maintenant du tri dans l'assiette, c'est du tri dans les énergies qu'il y a dans la nourriture. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre dans la nourriture ce que tu as besoin et pas ce que tu n'as pas besoin? C'est la émouna. La émouna, elle fait le birour dans la nourriture. C'est-à-dire que quand tu as la émouna, il va se révéler à toi les éléments qui sont valables, et les éléments qui ne sont pas valables, ils vont disparaître. Et chacun, pour chacun, c'est différent. Chacun, il va prendre dans la nourriture ce dont il a besoin. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas d'émouna, il tombe dans ta avatakhila. Parce que ta avatakhila, c'est la béhmiyout, c'est-à-dire c'est le fait qu'une béhma, elle est dans ta avatakhila. Une béhma, elle est toujours en train de manger. Pourquoi elle veut manger tout le temps? Parce qu'elle n'a pas de communication avec Hachem. Elle n'a pas de da'at. Quand il y a du da'at, alors tu n'as pas besoin de manger tout le temps. Quand il y a du da'at, tu manges quand tu as besoin de manger. Tu ne manges pas stam pour manger. Tu ne manges pas pour manger, tu manges pour te nourrir quand tu as besoin de manger. Maintenant, quand tu n'as pas de da'at, alors tu peux manger toute la journée. Tu peux manger, tu peux faire 4 repas par jour. Quand tu as du da'at, tu sais ce que ton corps il a besoin. Tu manges ce que ton corps il a besoin. Maintenant, même dans ce que tu manges, dans ce que ton corps il a besoin, d'après ce que tu sais consciemment, il y a des tris qui vont se faire dans la nourriture, qui sont des tris qui ne se passent pas au niveau du conscient. Mais c'est des tris qui vont t'alimenter ta conscience, justement. C'est-à-dire que ce que tu vas prendre dans la nourriture, c'est ça qui va alimenter ta conscience. C'est-à-dire que chacun... Alors, il y a des gens qui prennent dans la nourriture de l'énergie pour être encore plus bêtes que ce qu'ils étaient avant de manger. Et il y a des gens qui mangent, ils finissent, ils sont plus intelligents que quand ils ont commencé à manger. Rabbeinu, il a dit... Rabbeinu l'étudiait à table et on lui servait à manger. Alors il étudiait et on lui servait à manger. Il étudiait et on lui servait à manger. Alors il a dit, ils sont en train de se disputer avec moi. Il dit, parce que moi, je veux finir le repas avec de l'étude. Moi, je veux manger pour avoir la force d'étudier. Donc maintenant, je veux finir le repas avec de l'étude. Et eux, ils veulent me placer à un niveau plus grand. Ils disent que je vais étudier pour savoir comment manger. C'est-à-dire, eux, ils me voient encore plus grand. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que je mange pour étudier. Ils disent, j'étudie pour savoir comment manger. Alors, Rabbeinu, il dit une fois, il a demandé à Hachem qu'il voulait voir les avot. Il voulait avoir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il voulait les voir. Alors, il a prié, il a demandé à Hachem. Et le Baal Shem Tov, il est venu le voir. Parce que le Baal Shem Tov, il était déjà décédé. Il est venu voir Rabbeinu. Il lui a dit le passouk qu'on dit dans le schéma. Et comment c'est écrit? Ve'achata ve'savata. Ve'natata le'vemtecha ve'achata ve'savata. Alors il dit là-bas. Dans Vesavata, il y a le mot Shabbat dedans. Et Shabbat, c'est Shin, Bat. Shin, c'est trois branches, c'est les Avot. Et Bat, c'est la pupille de l'œil. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, si tu veux que Shin, Bat, c'est-à-dire si tu veux que ta pupille, elle voit les trois branches du Shin, c'est-à-dire les trois Avot, alors il faut que tu casses c'est-à-dire il ne faut pas que tu manges comme un animal, c'est-à-dire il faut que tu manges, que tu travailles sur la nourriture. Quand tu vas travailler sur la nourriture, ça te permettra de voir les avot. Comme ça Rabbeinu l'a fait. Le quoi? Le aïn de la bat, bat aïn qui est... Ouais, Bat Aïn. Bat, c'est un drouge du Zohar qui dit Shin Bat. Shabbat, c'est Shin Bat. Shin Tlat Gavedena, Bat Bat Aïn. Alors, ici, il a compris le Baal Shem Tov, il lui a dit que ça, c'est tout. Il lui a dit ce message-là. Et lui, il a compris qu'est-ce qu'il lui a voulu lui dire, c'est ça. Il lui a dit, tu veux voir les avot? Alors, il faut que tu travailles sur la nourriture. Tant que tu n'es pas arrivé dans la nourriture à élever ça comme il faut, tu ne pourras pas voir les avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on voit que c'est-à-dire que chacun tire dans sa nourriture ce qu'il en tire, tu vois. Parce que... C'est
pour le travail nécessaire dans le monde de Dieu. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire la Emouna, c'est-à-dire qu'il faut que, tu travailles la Emouna. Si maintenant, c'est pareil, si maintenant tu as par Massa, tu fais Massa au matin Bémouna, c'est-à-dire que maintenant, quand tu travailles, tu gagnes ton argent avec la Emouna. Alors quand tu manges quelque chose qui est déjà à un niveau de Emouna, parce que l'argent avec quoi tu as acheté la nourriture, il a déjà fait un tri sur la nourriture. Maintenant, si tu travailles pas, tu n'as pas de la Emouna, quand tu travailles, tu as très peu de chances que la nourriture que tu manges puisse te donner un enrichissement spirituel. Parce que, si tu veux, l'argent avec quoi tu achètes la nourriture, cet argent elle-même, il oriente la nourriture, elle éteint la nourriture. C'est-à-dire cette nourriture-là, elle peut pas briller, bon, parce que tu lui donnes pas l'énergie qu'il faut. Donc l'énergie, elle est contraire. Il n'y a pas d'émouna dedans. Comment tu veux sortir la émouna dans la nourriture? Comment tu veux faire les tri dans la nourriture? Donc la base, c'est aussi la parnassa. La parnassa, elle influence énormément sur la nourriture. Le comportement de la parnassa. Toute la parnassa, c'est pour manger. C'est pour ça qu'on travaille, Béka. La parnassa, ça veut dire manger, s'habiller. C'est ça, parnassa. Maintenant, d'où on a notre parnassa? C'est ça qui fait la qualité de la nourriture qu'on va acheter. C'est-à-dire, quand on va acheter, la nourriture, elle va être plus ou moins raffinée. Je ne parle pas raffinée au point de vue qualité de culinaire, mais raffinée au point de vue spirituel. C'est-à-dire, elle est plus ouverte, elle transmet plus des énergies qu'on a besoin spirituelles qu'il y a dans la nourriture. Alors il dit ici que Kishen Emouna, Zaid Gabrut Tafatachila Khazushalam, Venamachalim Vourari. Aken Tikuna Kose Hutanit. C'est pour ça que le jeûne, c'est une réparation pour tout ça. Qu'il y a des Ezochin et Shaber Tavatachila, Ezochin et Emouna. Donc maintenant, quand on jeûne, on casse la passion de la nourriture et on arrive à la Emouna. Chez Aledezé, Choser Akshamim. Et ça ramène la pluie. Kaledé Atanit, Mamshikhim et Mea Chassadim. Parce que par le fait qu'on a jeûné, on attire de l'eau des chassadim, c'est-à-dire de la bonté d'Hachem. Ça s'appelle des pluies de bénédiction. Pour ça, quand il y a la pluie en Eretz Israël, c'est très chachou pour le monde entier. Parce que Eretz Israël, elle est isolée de Trila, c'est-à-dire que c'est elle le début de toute la nourriture du monde. Quand il y a de la pluie en Eretz Israël, ça veut dire qu'après tout le monde il va avoir la bracha. Parce que les pluies d'Eretz Israël, ça vient de la Emouna. La Emouna, elle va amener la bénédiction dans le monde entier. C'est pour ça, sur tout malheur qui n'arrivera pas, alors on jeûne. Parce que tout ce qui manque à l'homme, toute sa souffrance, toute sa douleur, elle vient que du manque de conscience d'Hachem. Maintenant, quand il manque la conscience d'Hachem, c'est-à-dire qu'il manque le fait que la personne ait conscience de l'existence d'Hachem, ça c'est un manque de Emouna. Le Ikar, il dépend de la Emouna. Ça, on a vu Bédiouk dans la Torah 35, à la fin, dans l'écoute à la Chod, Rabbi Nathan, il rappelle Bédiouk ces paroles-là. C'est-à-dire que maintenant, le Da'at, il est alloué dans la Emouna. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas d'Emouna. Les deux, c'est le même domaine. C'est-à-dire que la Emouna, elle donne accès au Da'at. La Emouna, elle donne accès à la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, elle développe plus la Emouna aussi. Quand quelqu'un il a confiance dans Hachem, alors tous les sourires ils sont annulés. Il y a quelqu'un, il a raconté l'histoire. Il a dit, il y a un jeune, on l'a attrapé parce qu'il avait fait des bêtises et on l'a mis en prison. Et lui, il rigolait toute la journée, il rigolait. Alors il a dit, mais qu'est-ce que tu rigoles toute la journée? Il rigole. L'avocat, il vient, il dit, il faut préparer ton dossier et tout, parce que là, tu risques gros et tout. Et lui, il rigole. Il dit, mais on a marre, ça arrête de rigoler. Qu'est-ce que tu as rigolé tout le temps? Il rigole, c'est tout. Alors après, ça arrive le jour du jugement, l'avocat vient le voir le matin pour se préparer, tout ça, et lui il rigole. Alors, il dit, mais ça suffit, mais t'es fou, tu passes maintenant, tu risques de prendre 20 ans de prison, qu'est-ce que tu as rigolé? Alors à la fin, juste avant de rentrer
la chambre de tribunal. On lui dit, tu sais pourquoi je rigole? Et il dit, parce que le juge, c'est mon père. C'est pour ça que je rigole. C'est la même chose, je comprends. C'est-à-dire, tous les sourires, tous les problèmes, c'est parce que tu ne sais pas que c'est Hachem. Quand tu sais que c'est Hachem, ça y est, tu vas te plier de rire, tu ne vois pas. Ça y est, c'est plus du tout la même chose, ça, tout change. Donc ça, tout est dans le da'at de la personne. C'est le da'at qui fait que les sourires, c'est des sourires ou pas des sourires. Ils sont embêtés du mamash ou parce qu'il a la mina, alors ils ne voient plus ça comme des sourires. Ouais, c'est plus vu comme des sourires. Quand t'as ton petit bébé, tu le prends et il t'arrache les poils de la barbe. Alors c'est pas des sourires. Ça te fait rigoler, c'est tout. Tu rigoles. Tu veux pas. Pourtant ça te fait mal, mais ça te fait rigoler aussi. C'est pas une situation. La situation peut rester, mais c'est plus. Mais elle nous affecte pas dans le. Elle nous casse pas. La situation, elle nous casse pas parce qu'on sait que c'est Hachem. On sait que la richesse c'est Hachem, on sait que la pauvreté c'est Hachem, on sait que ça c'est Hachem. Alors il n'y a pas de. Il conduit, c'est comme si tu es dans un bus, il y a des côtes, des montées, des descentes, des virages, des trucs. Il y a quelqu'un qui conduit, c'est tout. Alors, c'est comme ça. C'est tout. Mais c'est aussi que ça annule les Issourim. Non seulement ça les rend plus faciles à supporter, mais ça les annule aussi. Parce que l'origine de tous les Issourim, c'est le manque de Tarat. Pourquoi il y a des Issourim? Parce qu'Hachem est obligé de presser. Pourquoi il presse? Parce que les gens, ils ne le cherchent pas. Parce que les gens, ils n'ont pas la Emouna. Parce que les gens, ils n'ont pas confiance en lui. Alors Hachem, des fois, il appuie. Ashrei ish. Asher tenasrei nuka, mitoratra telamdenu. Il y a des gens, pour qu'ils étudient la Torah, ils passent par des souffrances. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas de souffrance, il ne va pas étudier la Torah. Il va continuer à jouer au football. Alors pourquoi maintenant il étudie la Torah? Alors Hachem, il lui pince un peu les oreilles, les trucs, alors il commence à étudier la Torah. Et ça vient de là, les Issourim. Ça vient du manque d'Emouna, du manque de Da'at. Ça qui donne les Issourim. Eux-mêmes, ils viennent du manque de Da'at. Mais même quand la personne, elle a reçu les Issourim, avec le Da'at, il peut sortir des Issourim. D'abord, ne pas les vivre de façon dure, c'est-à-dire ne pas se faire casser par les Issourim. Parce qu'il sait que c'est Hachem qui lui a envoyé ça, c'est-à-dire que ces difficultés-là, c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Et aussi, avec ça, il les annule. Qui yodim, shakol mehashem et bar, voilà, tu dis tout, c'est Hachem. Nimsa, shayisurim, hem mechesaron haemouna, chesaron hadat. Donc les Issourim, ils viennent du manque de emouna, du manque de dat. Alken atikun nazet ta'anit. Pour ça, pour réparer ça, c'est le jeûne. Qui a l'idée ta'anit zochim l'emouna. Vekara ta'anit hiya tchouva. Maintenant, le ta'anit, c'est quoi? C'est de faire tchouva, c'est pas de pas manger. Qui a l'idée tchouva olam malchut. Parce que quelqu'un fait tchouva, il fait monter la malchut. C'est pas parce qu'il a pas mangé uniquement qu'il fait monter malchut. C'est parce qu'il fait tchouva. Tchouva, ça veut dire il ramène. Tchouva, hey, il ramène tout vers Hachem. Chez Prinat Emouna, chez les Nishlam Adab, le Prinat, Mizot Ola. Comme c'est écrit, Mizot Ola. Mi, c'est Noun. Mi, c'est Noun. Même, Yud, c'est Noun. Zot, c'est la Malchut. Zot, c'est elle, c'est la Malchut. Ola, elle monte. Mi, c'est les 50e portes. C'est les 50e portes de Hamishim Shahre Bina, c'est la Tchouva. La Bina, c'est la Tchouva. La Bina, c'est la Tchouva. La question que tu demandais tout à l'heure, c'est que si maintenant, comment tu veux arriver au Da'at, si ta Chochma, elle t'amène à la Bina, c'est-à-dire à la Tchouva, alors avec ça, tu peux arriver au Da'at. Si tu l'aimes pour savoir comment faire Tchouva, comment tu vas faire Tchouva, c'est pour ça que tu l'aimes. Alors là, après, ça va te donner des informations. Comment faire Tchouva, et avec la Tchouva, tu vas arriver au Da'at. Parce que la Bina, elle donne le Da'at, parce que la Bina, c'est la Sphira de la Tchouva. Maintenant, le Mi, c'est la 50e porte de la Bina, c'est la Tchouva la plus élevée. Mi, Zot, alors quand tu arrives dans le Mi, c'est-à-dire dans la 50e porte de la Bina, qui est la Tchouva la plus élevée, Zot, ça répare Zot, qui est le pouvoir, la Malchut, Ola, elle monte. Zot, Ola. Mi, Zot, Ola. Le Mi, il fait monter la Malchut. Mi, Zot, Ola. Mi, Zot, Mi, Im, Zot, Ola. זה שמרבים בתפילות ובקשות בכל התעניתים, כי עיקר התענית בא לידי על זה בכדי להעלות הדיבור. Parce que tout le lien de pourquoi on fait des bakashot, on fait des prières pendant dans les jours de jeûne, parce que le ikar c'est de faire monter la parole.
Parce que le Ta'anit, il donne de la joie, comme c'est écrit, réjouis-nous comme les jours de jeûne. Et initanou, c'est Ta'anit aussi. Et grâce à la joie, on peut faire vidouille, c'est-à-dire on peut parler avec Hachem, reconnaître ses fautes, comme c'est écrit. Quand il y a de la joie et de l'allégresse, alors Toda Vekozimra. Alors il y a des remerciements et il y a des chants, il y a une voix de chant. C'est-à-dire on commence à pouvoir chanter parce que. Du moment où il y a eu de la joie, alors ça libère la voix. Parce que la joie, Bémet, ça donne, Rabbi nous dit que la joie, ça donne Ishuvadat, c'est-à-dire quand quelqu'un est joyeux, il se libère des angoisses de ce monde, des pressions de ce monde. Et ça peut faire prendre conscience qu'Hachem existe. Et après, avec ça, il commence à parler. Ça lui donne la parole. Comme un petit enfant, vous voyez, quand il commence à avoir Da'at, il commence à parler. Quand il commence à parler, ce qu'il a le da'at. Comment tu traduis Ishuvadat? Hein? Comment tu traduis Ishuvadat? Ishuvadat, c'est... Ishuvadat, moi je traduis prise de conscience. Ça, Ishuvadat. C'est-à-dire avoir l'esprit qui se décante de manière à prendre conscience des choses. Quoi? Il a dit Razakbo Proto. Ah, il faut répéter maintenant.